Un dîner aux chandelles interrompu. Hélène s'est habillée. Danny aussi. Liam se tient devant eux. Il vient d'entrer. Il est couvert de sang sur tout le devant. Pause. Il le regarde. Longuement. Ça va, Danny ? Liam ? Hélène ? Liam ? Comment ça... Comment ça va ? Enfin, vous allez bien ? Quoi ? Ouais ? Et toi ? Ouais, tu sais... Bon, pas trop... Enfin, tu sais... Ouais. Jolie ta robe. Quoi ? Elle est jolie, elle est nouvelle ? Elle est nouvelle ? Ouais, enfin, elle est... Est-ce que ma robe est neuve ? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, Liam, elle est neuve, c'est une robe neuve. Elle est belle, c'est un peu... C'est une de ces... Vous étiez en train de dîner, là, en... Oui, Shane ? Il est chez ma mère. Ah, super. Alors, vous faites un... Ouais. Enfin, comme pour fêter, vous fêtez... Quoi ? Genre romantique, quoi. Oui. Et là, c'est du saumon, ça ? Tu es couvert de sang, Liam. Ouais, je suis désolé. C'est ce jeune gars. Un jeune gars ? Ouais, c'est à ce jeune gars. Qu'est-ce qui est à ce jeune gars ? Le sang, là, c'est celui du gars. Ça va ? Oui. Danny, merci. Je vais bien. Désolé, hein, mais... Vous devriez retourner à votre... Ça a l'air bon. T'as fait ton riz basmati, non ? Ouais, c'est... Ouais, c'est pas le mien. C'est le sang du jeune gars, de ce pauvre... Putain, celui de ce pauvre gars, quoi. Il y a eu un accident ? Arrivé comme ça, et vous êtes en plein dîner pour fêter... C'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va. Est-ce qu'il y a eu un accident, Liam ? Tu prépares ça, tu l'as cuisiné avec l'huile d'olive et du citron. Danny ? Ce riz que tu prépares, j'adore, avec une bonne vieille pincée Donc, de... Donc, il y a eu un accident. Et j'arrive là comme une espèce de... Putain, une espèce de... Quel genre d'accident ? Hélène, s'il te plaît. Ça va refroidir, ça va être tout froid. Danny, putain, ça va être tout... Je tourne au coin de la rue, et il était... Enfin, sur le... Putain... Étendu sur le trot... Sur la chaussée, tout seul... Il était allongé là, tout seul, alors je me suis dit, oh non, merde, non, il est tout seul, putain, et il avait l'air enfin correct, Danny, tu vois, un peu comme, je sais pas, je veux dire, il avait l'air correct, quoi, il avait l'air, bon, d'accord, peut-être un peu, tu vois, mais quand même, enfin, tu trinquerais avec lui, ou pas forcément bon à pote, mais dans un bar, tu vois, si tu l'avais comme ça, si vous vous étiez croisé, un billard, une bière, avec sa tournée, je raconte n'importe quoi, là, hein, non ? Oui ? Non, enfin, je raconte n'importe quoi, des conneries de merde, putain. Bon, il est allongé là, tout seul, absolument seul, et il y a du sang, et quelqu'un a... Un putain de... Quelqu'un l'a vraiment... Donc il y a eu un accident, alors ? Hélène, merde ! Je demande, Danny, c'est tout. J'essaie juste de clarifier. Il a dit que c'était pas un accident. Quand ? Il l'a pas dit ? Liam, il l'a pas dit ? Si, il l'a dit, il vient de le dire. Il l'a pas dit que c'était pas un... Ce n'était pas un accident. Tu veux quelque chose à boire ? Non, merci. Je pourrais avoir un verre de vin ? Ce pays, c'est tous des monstres. Et c'est bien noir là-dehors. J'ai pas frappé, hein. Désolé, je me suis servi de la clé. Je sais, c'est seulement en cas d'urgence, c'est tout. Mais je me suis dit que là, bon, il se pourrait que ce soit une... Vous voyez, je me suis dit, mais si je frappe, hein, Else, et que tu me vois, et ça fait un choc, quelqu'un comme ça, couvert de... Difficile que ça fasse un choc quand on est couvert de... Et j'ai paniqué à cause de la porte qui claque, la porte, si on la lâche, hein, Danny, si on la lâche, elle claque. Alors j'ai voulu crier pour prévenir, mais je me suis dit, ouais, c'est un coup à faire dans son froc. Et ton... Else, tu sais, ton état et tout ça, c'est pas le moment de faire dans ton froc, dans ton état. Et je veux pas avoir l'air de faire la leçon, mais parce que c'est pas comme si j'étais... Comme si t'étais malade ou... T'es pas malade. Comme si t'étais malade ou... Enfin, c'est pas ça... Mais quand même, si t'avais entendu hurler quelqu'un dans l'entrée, putain, t'aurais fait dans ton... Enfin, c'est pas bon. Et donc, enfin, je suis vraiment
resté là, dehors, environ un quart d'heure. Je savais pas trop quoi... Vous savez... faire. Liam, je voudrais que tu me regardes dans les yeux. Ouais. Regarde-moi. Je te regarde. Regarde-moi. Ok. Je veux que tu réfléchisses. Et je veux que tu me répondes. À qui est ce sang? J'ai essayé de l'aider. Le jeune gars sur la route? Ouais, le gars sur la route. On lui avait fait du mal. Qui ça? Des gens. Quels gens? Je sais pas. Quels gens? Ça saignait. Où est-ce que ça saignait? Des entailles. Des entailles? Ouais. Et tu l'as aidé comment? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu lui demandes ça? Mais pour qu'on sache ce qu'il a fait. C'est tellement important. Et ça pourrait l'être. Liam, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai secoué. Je disais, hé hey, mec, comme ça. Tu l'as secoué? Ouais, je l'ai secoué, je le secouais, quoi. Enfin, doucement, tu vois, bon, et puis un peu plus fort, parce que bah, je commençais à paniquer. Tu l'as secoué fort comment? J'ai essayé de l'aider, Danny. J'essaie simplement d'établir. D'accord, mais s'il te plaît, c'est pas un interrogatoire. Mais je l'interroge pas. Je suis désolé, je suis pas en train de... Et elle venait d'où, ces entailles? De couteau. De couteau? Quelqu'un l'avait tailladé au couteau? Sur la poitrine, sur le visage, aussi sur le bras, enfin, lacéré. Putain. Je crois, je veux dire, je sais pas, peut-être... Pas des entailles, peut-être des balafres ou bien des coupures. Pas poignardé, il l'avait lacéré, il l'avait tailladé, vraiment. Il y avait quelqu'un autour? T'étais tout seul? Au couteau? J'étais seul, j'étais absolument... Je l'ai pris dans mes bras. Désolé. Il était conscient? Non. Il était pas conscient? Si. Il était inconscient? Enfin, Danny, s'il est pas conscient. Ouais, il était inconscient. Merde! Pourquoi tu l'as pris dans tes bras? Bah, il était blessé, je suis désolé. Merde, on l'a tailladé à coups de couteau, carrément. Ils l'ont découpé au couteau, ils l'ont laissé là, inconscient. C'était où? Markham Street, au coin de la rue, enfin. Ils l'ont carrément découpé au couteau sur Markham Street et ils l'ont laissé inconscient. Je revenais de chez Yann. Qu'est-ce que tu faisais chez Yann? J'étais passé le voir. Je croyais que t'aimais pas Yann. Je suis juste passé le voir. Je croyais que tu détestais Yann. Ouais, c'est un con. Par ici, Hélène. Ils font ce qu'ils veulent. Ils foutent le bordel, putain, j'ai même peur de prendre le bus. Regarde ce qui arrive à Danny. C'était rien, des gosses, tu sais, juste des gosses. Ouais, enfin, ça fait vraiment peur. Il est toujours là-bas? Qui? Le gars. Il est toujours là-bas, allongé, là, à saigner? Liam, est-ce que le gars est toujours là-bas? Il est parti? Quoi, il s'est relevé comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je demande simplement. Ouais, on croirait vraiment en interrogatoire. Non, merde, désolé, je voulais pas, putain, désolé. Écoute, Liam, je demande simplement. Ouais, il s'est relevé, comme ça, et il est parti. Mais tu disais qu'il était inconscient. Danny! Ouais, comme ça, putain, comme un éclair. Il s'est relevé d'un coup et du coup... D'un coup, tu vois, il a détalé. Quoi, il s'est relevé comme ça et il est parti en courant? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? J'essaie simplement d'établir. T'es pas Columbo, putain! Comme ça, comme un éclair, quoi. Danny, simplement, il a détalé, il m'a regardé, il était couvert de sang, les yeux allumés et il est parti en courant. Il a même pas prononcé un mot, putain, il s'est enfui. Oh, je me sens vraiment... Je me sens plutôt mal, là. Je pense que vous devriez déménager, Hélène. Tu sais, Sean et tout ça... Tu as appelé quelqu'un? La police ou... Mon portable était éteint. L'ambulance ou... Ton portable était éteint? Non, va pas éteint. Danny, non, putain, pas... Ton portable était éteint? Non, éteint, non. Danny, pas éteint. Tu pouvais pas le rallumer? Je veux dire, HS, à plat, quoi. Tu vois, mon portable était... En fait, il y a plus bon, de... Bon, la batterie est morte, Danny. Morte, oui, merci. La batterie est morte. Danny, regarde, je vais te montrer. T'as pas besoin de me montrer, Liam. Je voulais juste, tu sais, aider. Mais je savais pas quoi faire. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je devrais retourner chez Yann, parce qu'il a été secouriste. Mais je voulais pas le laisser seul, parce que de toute façon, Yann est un con, et puis parce que bon, il y a une personne là, tu vois, il y a quelqu'un quoi, allongé là, et on peut pas laisser quelqu'un allongé comme ça, dans la rue, étalé par terre, sur la chaussée. C'est complètement dingue. Et est-ce que ça va? Ouais, ouais, non, ça va. Vraiment. Je vais bien. Je vais bien, vraiment, ouais, c'est... Putain, non, je vais... Liam? Oh merde! 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 Regarde-moi ça, vous êtes en train de dîner, vous fêtez! On fête rien, on est juste. Je débarque là comme une sorte t'en de. T'en fais pas pour ça, Liam. Liam, t'en fais pas pour ça. Tu ris et. C'est pas grave, Liam. Je crois que vous devriez déménager, Hélène. Parce que là, dehors, c'est des bêtes, pas des gosses, des putains de. Il pleure. Elle va pour le prendre dans ses bras, mais il se détache d'elle. Non, j'ai du sang, j'ai plein de sang sur moi.
Désolé, les larmes, putain. Quel abruti. T'es pas un abruti. Si, je suis un abruti. T'es pas un abruti. Tu n'es pas un abruti, Liam. Tu pourrais me prendre dans tes bras, Hélène? Bien. Non, non, le sang, le sang. Bon, écoute, on va te nettoyer. Mon t-shirt est foutu. Tu peux en prendre à Dani, n'est-ce pas, Dani? Ouais, bien sûr. C'était un cadeau de Jani. C'est Jani qui me l'a. Hells, c'était un cadeau. Je sais, mais on va le laver. Oh, il est foutu, je l'ai bousillé. Mais tu l'as pas bousillé. Lequel? Lequel? Non, prends n'importe lequel, Liam. N'importe lequel, c'est bon. Merci, Dani. Merci. Il embrasse Dani. Dani le garde un peu à distance pour ne pas être taché par le sang. Pardon. Pardon. Hélène emmène Liam. Dani se rassoit à la table. Il regarde le repas. Il a faim. Il pique dans le riz avec sa fourchette. Il repose la fourchette. Réfléchit. Se décide. Il prend une fourchette pleine de riz et la porte à sa bouche. Hélène entre. Il repose la fourchette. Elle amène un t-shirt bleu. Tu manges ? Non. Je vais passer ça à Liam, ok ? Ouais. C'est mon bleu ? C'est ton bleu. Oh, lui donne pas celui-là, Hélène. Donne-lui mon t-shirt vert. Pourquoi ? Oh, s'il te plaît, Hélène, donne-lui le vert. Le bleu, là, il est tout neuf. C'est lequel, le vert ? Celui avec l'aigle dessus. Il est au sale. Hélène, merde. Avec l'aigle ? Ouais, tu as dit à Liam que tu étais enceinte ? Oui. Ça pose un problème ? Non. Pourquoi ça pose un problème ? Non, on ne le sait que depuis lundi. Je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre ? Oh merde, pardon, Dani, c'est que... Mais les trois mois où... Non, non, Hélène, je ne m'en prends pas, c'est pas un problème, c'est une question pardon, juste... Pardon, merde, j'avais juste... Non, non, Hélène, écoute, je sais, c'est pas un j'avais problème. J'avais juste besoin... M'en prendre à toi ou... De parler à quelqu'un. Ah, d'accord. Écoute, si tu veux manger, mange. Non, non, je vais t'attendre. Mange. Non, je vais attendre. Putain. Je sais. Pauvre Liam. Mais je sais. Il est ok ? Ouais, ouais. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, ouais, je pense que ça va. Il est solide. Il est pas solide, Dani. Non, il est pas solide. Merci pour tout ça. Tu sais d'être tellement avec tout ça. Ouais, bon Dieu, non, mais je veux dire, c'est Liam. Je veux dire, c'est la famille. Et pardon d'être un peu... Tu sais. Non, non, mais enfin quoi ? Non, non, mais t'es pas... Non, pas si, du tout. Si, quand même, un peu. Non, vraiment pas du tout. Bon. Merci quand même. Vraiment, Dani. Eh ben, notre petite soirée spéciale. Je sais, c'est pas grave. On trouvera une autre occasion le jour où Shane aura découvert la drogue, par exemple. C'est censé être ironique. C'était une blague. Je blaguais. Ah, pardon. Ok, Dani, désolé. Arrange-toi au moins pour qu'elle soit drôle, comme ça, je serai préparée. Pourquoi tu avais besoin de parler à quelqu'un ? Comme si c'est... C'est un reproche ? Non, c'est pas un reproche, Dani, j'avais juste besoin. Parce que tu peux me parler à moi. Je peux pas te parler à toi. Mais pourquoi tu peux pas me parler ? Tu me parlerais à moi. Bah ouais. Quoi, tu me parlerais à moi ? Ouais. Si tu... Enfin, si t'avais besoin... Oui. De parler, de discuter, tu parlerais avec moi. Bah, bien sûr que je parlerais avec toi. Oui, je te parlerais. Eh ben, c'est pas comme ça que la plupart des gens fonctionnent. De quoi tu avais besoin de parler ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Non, non, je... Je vais en parler à mon frère. Tu voulais pas que je le fasse parce que... Non, Hélène, bien sûr, non, c'est... non. Bien. Écoute, ça va aller, Liam. On fera en sorte que ça aille. Je ferais mieux lui amener le t-shirt. Celui avec l'aigle dessus ? Ouais, le vert. J'appelle la police. Ok, quoi ? Pardon, qu'est-ce que tu... J'appelle la police. Ah, bon. Non, mais je veux dire, il faut qu'on appelle. Ah, oui, bien sûr. Tu me crois pas ? Je veux dire, on doit appeler. Oui, 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 bien sûr. Je peux le faire pendant que tu es à côté ? Super. Pourquoi ? Pourquoi ? Dani, attends. Donne-moi juste une minute. Liam est à côté. Pourquoi ? Il y a quelqu'un de blessé. Je sais, mais... Et donc on devrait appeler la police. Attends, juste, c'est tout ce que je dis. Une minute. Pour quelle raison ? C'est tout ce que je dis. Écoute, tu vas pas encore te mettre à paniquer, s'il te plaît. C'est... Quoi ? Essayons de réfléchir 5 minutes. Mais à quoi on devrait réfléchir ? Parce que c'est un peu cinglé tout ça et on est, tu sais... Tu veux me dire qu'il ne faut pas appeler la police ? Non, absolument c'est pas. C'est ça que tu veux dire ? Tu veux dire qu'on ne devrait pas ? Je veux absolument pas dire ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais je dis, est-ce qu'on pourrait, juste une minute, juste 5 minutes... Sans paniquer, réfléchir d'abord, sans flipper, s'il te plaît. Mais je ne flippe pas. Parce que c'est mon frère. Je sais que c'est ton frère. C'est la seule famille que... Je sais que c'est ta seule famille. Ne dis pas ça comme si je t'ennuyais. Ils vont penser que Liam a quelque chose à voir avec ça. Mais non. Mais si, ils vont penser, parce qu'il est toujours... Il a pas de chance, Dani, tu sais bien qu'il a pas de chance, c'est pour ça qu'il a un casier, parce qu'il a pas de chance et... Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas ça qu'ils vont penser. Quoi ?
D'accord. D'accord, ok. D'accord. Tu sais quand t'étais à Miami? Quand? Quand t'étais à Miami. Quand? Mais putain, quand t'étais, quand tu étais. Quand? Quand? Quelle fois? J'y suis allé trois fois, laquelle? La dernière fois, putain, je te parle de la dernière. Eh bien, j'en sais rien, moi, si. Bah pourquoi est-ce que tu commencerais une phrase comme ça si je voulais pas parler de... La dernière fois, Danny, la dernière fois que tu étais à Miami. Ok, ok, en avril. La fois d'avant. En novembre. En novembre, ouais. Et ben, quand t'étais à Miami, en novembre, il s'est passé ce truc et la police est venue. Mais en... Quoi? Non, c'était rien. Il était totalement innocent. Il était resté avec moi tout le temps. La police donc, est venue ici. Il n'y avait rien. Tu sais comme il aime rester ici quand tu n'es pas là. Tu connais son côté protecteur. Et donc, il était ici avec nous. Et alors... La police est venue ici? Oui. Mais c'est pas grave. C'était une erreur. Complètement. Ils ont dit que c'était une erreur et que tout est ok. Mais le fait est... Pas grave. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que c'est pas... Danny, c'est pas là-dessus qu'il faut te bloquer. C'est pas ça. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que Liam ne voulait pas. Pourquoi? Mais parce qu'il t'adore, putain, et qu'il m'a fait promettre de rien dire. Mais c'est pas pour ça que je te raconte ça. Alors est-ce que je peux, s'il te plaît, te dire pourquoi je te raconte ça, s'il te plaît? La police est venue ici. Écoute, le truc, c'est qu'ils étaient là avec une seule idée en tête. Ils étaient venus avec cette idée en tête, Danny. Bon, il y avait un type qui était blessé, et quelqu'un, un enfoiré quelconque, avait prononcé le nom de Liam alors qu'il était même pas là. Personne ne disait qu'il était là, personne. Mais un enfoiré avait prononcé le nom de Liam, et parce que Liam a un casier, parce qu'il a pas de chance, Danny, et oui, bête, il a fait des choses bêtes, mais c'était il y a longtemps. Mais ça, ils s'en contrefoutaient, putain, mais royalement. Ils étaient venus avec une seule idée en tête. Tu vois? Tu crois toujours que... Bon, je te critique pas, mais tu crois toujours que les choses tournent de façon juste, et ce n'est pas vrai. Pas pour des gens comme Liam. Vraiment pas. Le monde n'est pas juste comme tu le crois, Danny. Et je dis pas que ce que tu crois et ce que tu penses n'est pas bien, parce que... Et j'aime ça chez toi. Mais là, c'est pas le moment pour... Là, maintenant. Ils vont penser que Liam est mêlé à tout ça. S'il te plaît. Ils pourraient pas faire face, pas maintenant. S'il te plaît, Danny. Liam est innocent, Hélène. Il n'a rien fait. Il a rien à craindre de la police, il est innocent. Il y a ce gars-là, dehors, blessé, il faut qu'on appelle. T'es tellement... Putain, tu es tellement... Tu es si... Quoi? Qu'est-ce que tu... Comment peux-tu être si... Je veux dire, bon Dieu, comment peux-tu être si naïf? Comment peux-tu te promener comme si... Tu te promènes comme si rien dans ce monde n'était... Et puis voilà, ces jeunes qui... Des ados, putain! Et tu le sais. Et tu continues de faire comme s'ils étaient innocents et que c'était de ta faute, notre faute, de respirer. Putain, excusez-moi de respirer, bon putain! Dieu, bon, autant renoncer à avoir cet enfant, alors. Quoi? Tu vois, si c'est comme ça que ça doit te... Si c'est ce que tu penses, Danny, alors à quoi ça sert? Merde, pas la peine de... Merde, on devrait pas ici, dans ce monde, du tout. Alors... Hélène, t'es sérieuse? Quoi? Tu veux dire que... Non. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as pensé à... Oui. Oui? Non, peut-être... Je sais pas, peut-être... Oui, peut-être. Peut-être que si. Oh, merde. Tu parles sérieusement? Ok, écoute, là, on peut pas. C'est pas le moment pour, parce que Liam est à côté, alors... Ouais, oui, ok, on peut parler plus tard, enfin... Parce que là, faut qu'on s'occupe de... C'est une chose à laquelle t'as pensé? Et donc je vais juste parce qu'il est à côté, à moitié habillé... Putain de merde, mon Dieu, putain! Il faut que je lui donne le... Parce qu'il est là, à moitié habillé, d'accord? Oui! Je vais juste lui donner le... Ok? Elle sort. Danny se rassoit. Il jette un coup d'œil au riz. Il réfléchit. Liam entre. Il porte le t-shirt vert, celui avec l'aigle dessus. C'est Janie qui m'a offert le t-shirt. Hélène dit que ça va aller. Tu crois que ça va aller? Quoi? Tu crois que ça va partir, quoi? Enlever le sang? C'est juste que c'est Janie qui m'a offert le t-shirt, alors. Cadeau de Noël. La dernière chose qu'elle m'a offerte. Tu crois que ça va partir au lavage? Comme ça, au lavage, Danny? Ouais, ça partira sûrement au lavage, Liam. Merci de... me prêter ça. Je t'en prie. C'est quoi ton déodorant? Lynx, je crois. Ouais, super. Ça va, Danny? Quoi? Moi? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais. Vous êtes en plein dîner et... Voilà ce qui arrive. Liam, tu es toujours le bienvenu, tu le sais bien. Ouais, mais tu sais... On t'a donné une clé, tu sais bien que... Ouais, ça compte pour moi. Merci. Ça, je l'oublie pas.
Ça va, après tout... ça ? Il fait un geste assez vague. Danny ne comprend pas dans un premier temps, mais... quoi ? Ah ouais, ouais, non, c'était juste... n'importe quoi. N'importe quoi, ouais, mais... Je veux dire n'importe quoi, putain. Ouais, mais tu sais, c'est juste un de ces trucs qui... Y a rien à faire, ils sont trop nombreux, et ils le savent, les petits connards. C'est sûr, y avait rien à... C'est pas... t'es pas un homme. Je sais. C'était des Pakistanais, non ? Bon, certains d'entre eux, mais je pense pas... Non, je dis pas ça dans ce sens, hein. Je veux dire, je crois pas que c'était... Ouais, non, non, Danny, pas du tout, je veux dire... c'est n'importe quoi, putain, ces histoires de... un facteur. Race. Je veux dire, non. Yann est comme ça, et il me rend malade, putain. Toujours là, à dire, les Pakistanais ceci, les Pakistanais cela. Ouais. Ou je lui ouvrais bien le ventre à ce putain de négro. Ça me rend malade. Danny, ça me rend malade. Ce genre de phrase. Ça me donne envie de lui en coller une. Tiens. Et Yann, qui est toujours là... mais il est pas si fort que ça, hein. Lui ouvrir le ventre. Je voudrais bien l'y voir. C'est vraiment un crétin, quand même, hein. Ouais. Mais bon... c'est un pote, alors... tu veux parler de ça ? De quoi ? Tu sais, qu'on parle de ça ? Non. Non, ça va, Liam. Je tremble. Ah oui ? Ouais, regarde. Ah ouais ? Ah, putain. Ouais, tu... comme une feuille. Je parle de toi à tout le monde, à tous mes potes. T'es la preuve vivante qu'on peut y arriver. T'es génial. Mais ce quartier, quand même... Danny, tu vois... tu devrais sortir Shane d'ici. En tant que chef de famille, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est... c'est pas si mal que ça. C'est bien, question de transport. Et puis, ils vont ouvrir un Starbucks au coin, alors... je déteste la violence. Ça me fait pleurer. Depuis toujours, demande à Hélène. Demande-lui, parle-lui de Brian Hargreaves. J'ai chialé comme un bébé quand il était attaqué. Elle m'a aidé à traverser tout ça. Je me disais que c'était un ange envoyé du ciel. Je remerciais Dieu de m'avoir envoyé un de ses anges comme sœur. Mais raconte pas ça à Hélène. Mais j'y croyais vraiment à ça, bon sang, je sors vraiment des conneries. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, bien. J'étais tellement heureux quand vous vous êtes mis ensemble. J'étais aux anges. Quand elle m'a annoncé votre mariage, j'ai pleuré quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'avais toujours su qu'elle ferait une super mère. Elle aurait pu m'abandonner, elle aurait pu les laisser nous séparer, c'est ce qu'ils voulaient. Ils nous regardaient là et ils se disaient qu'ils pourraient facilement placer la fille, mais le garçon... et elle n'a jamais permis ça. Mieux que ça, Danny, l'idée ne lui même jamais traversé l'esprit. On nous a abandonnés ici. Le gouvernement... nous ont laissés avec de vrais fauves, putain. Et je dis pas ça à cause des Pakistanais, Daniel. Parce qu'il y en a certains qui sont bien. Hein. Certains sont des gens vraiment... vraiment bien, pas les enfoirés qui t'ont chopé. Hein. Ceux qui font du mal aux autres, qui se baladent pour faire du mal. Ça, c'est de la racaille, des ordures. Mais il y en a certains... des victimes. Victimes des préjugés. Ta main. Quoi ? Il réalise qu'il a laissé sa main sur le bras de Danny. Il la retire. Oh, pardon. Danny, désolé, putain, j'ai la tête en vrac. Où est Shane ? Chez sa mamie. Oh merde, putain, regarde-moi ça. On compote le cerveau, putain, complètement. Hélène rentre. Elle apporte le t-shirt tout mouillé. Elle va directement à la cuisine sans les regarder. Tu crois que ça va aller, Hélène ? Mais elle est ressortie. Pause. Janine nous racontait souvent des histoires avant de s'endormir, tu sais. Elles étaient plutôt nulles, les histoires, tu vois, je veux dire... elle n'allait jamais jusqu'au bout, alors à la fin, on avait des crises de fou rire, genre, à cause de cette histoire qui rimait à rien, putain, mais à rien, Danny. Ouais, alors genre, on se retrouvait avec une histoire, et c'était un cheval qui s'appelle Darby. Et en fait, c'est un cheval qui parle, et il y a son propriétaire qui l'emmène au marché, il tombe sur un vieil ami, et ils vont boire un coup, et l'ami demande au propriétaire du cheval s'il cherche du travail, et il dit oui, et ils vont à la ferme du gars, et ils se mettent au travail, ils rentrent le maïs... la femme du gars tombe malade, mais le docteur vient, alors elle est guérie. Et c'est ça l'histoire, putain, c'est ça l'histoire, là. On était genre, mais mort de rire, tu vois. Mais Janie, elle comprenait pas. Elle continuait, et nous, on disait, mais le cheval qui parle, alors? Mais elle s'en faisait pas, genre, elle continuait son histoire, c'est tout. C'était un ange. On aurait bien voulu rester avec elle. On s'est pas perdu de vue toutes ces années.
J'aurais aimé la rencontrer. Merci, Dany. Merci pour... ça. Tu crois que c'est important si je l'ai secoué fort ? Parce que tu m'as demandé fort comment, et je veux dire, tu penses que... Liam, je crois que tu essayais de l'aider et que ton instinct naturel t'aurait pas laissé lui faire du mal. Tu crois ? Absolument. Ok. 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 Hélène revient. Longue pause. Je ne suis pas certaine que ça aide d'appeler la police. Dany veut appeler la police, Liam. C'est vrai ? Quand tu étais à côté, il disait qu'il voulait appeler la police. Bon, t'as bien dit que tu voulais appeler la police. Non, bah, j'ai suggéré... Non, non, pourquoi pas ? J'ai suggéré ça, Liam, parce que... Non, pourquoi pas, Dany, t'as raison, on devrait... Quoi ? Appeler la police ? On devrait, non ? Enfin, Liam, je veux dire, on devrait, n'est-ce pas ? Tu crois pas, Els ? Je sais pas, et toi ? Il était blessé. Je veux dire, si c'était nous ? Là, c'était pas nous. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis juste que c'était pas nous, alors ça sert à quoi de dire si c'était nous, si c'était pas nous ? Il y a quelqu'un de blessé, Hélène. Un type en a attaqué un autre. Il y a quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui est en train de saigner, là, maintenant. Quelqu'un qui pourrait bien être impliqué, qu'est-ce qu'on en sait ? Impliqué ? Mais impliqué dans quoi ? Bon, écoute, il s'est relevé et il est parti en courant. Et ça veut dire qu'il était impliqué dans quelque chose ? Je sais pas, Dany, mais il y a eu violence. Il s'est passé quelque chose de violent dans lequel il était peut-être bien impliqué, ou pas. Mais imagine que si, et que nous on appelle la police, et donc on expose Liam à tout ça, à cause de quelqu'un qui... Eh bien, qui est peut-être... voilà, louche. Louche ? Je crois pas qu'il était louche, Else. Mais bon, il s'est relevé, il est parti en courant. Il était terrifié. Exactement. Il était blessé et il est pas resté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réfléchis, Dany. Ça veut dire merde, il était habillé comment ? Mais qu'est-ce que ça peut bien avoir ? Oh, tu sais... On peut pas le juger à ses... Toute la panoplie... Non, mais par ici, un jeune gars, blessé... Étendu par terre avec toute la panoplie ? Dans quoi il est mêlé ? Qu'est-ce qu'il veut éviter ? Non, Hels, je crois pas que... Vraiment, je crois pas qu'il était... Parce que je vais vous dire une chose. J'en ai marre de cet endroit. J'en ai marre de voir les gens que j'aime, les miens, devoir se soumettre à eux là-dehors. Qui font juste ce qu'ils veulent, qui se baladent, qui vous traitent de connasse. Oui, Dany ! Parce que ça arrive, Dany ! Quand je suis avec Shane, Dany, salope par ici, salope par-ci, et salope par-là, et toi, tu voudrais fermer les yeux ? Non, je ne veux pas. Montre-nous ta chatte, salope ! Ça va, ta chatte, aujourd'hui ? Salope ! Je peux te lécher la chatte ? Salope ! Ta chatte, et tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tout ce que je dis, c'est que Liam a un casier. Il a un casier ? Et je dis que la police va trouver ça suspect. Tu crois ? Bien sûr. Ouais. Ils peuvent trouver ça suspect. C'est la police, Liam. Ils sont payés pour ça. Il a un casier. Il a un casier, Dany. S'il te plaît, je te demande juste de réfléchir à ça. Il y a un gars couvert de sang et il y en a partout sur le t-shirt de Liam. Tu viens le laver. Mais ça fait rien, Liam. Il restera l'ADN. Ça part pas, ce truc-là. Et ça aurait l'air de quoi ? La première chose qu'on a fait, c'est essayer d'effacer les preuves. Les preuves ? Oui. Ça va faire mauvaise impression. Effacer les preuves ? Si ça fait mauvaise impression. Pourquoi tu l'as lavé, alors ? Mais parce qu'il était couvert de sang, putain ! Et ça va servir à quoi ? Ça va aider qui ? Ce gars qui est ou pas impliqué dans un... Et je le juge pas, je le connais pas. Mais je connais des gens comme lui. Et on est de qui, là ? Quelqu'un qui se relève, là, avec toutes ses blessures et qui s'enfuit dans la nuit ? Il fit bien quelque chose. Et nous, on sait pas ce que c'est. Ça va l'aider si on appelle la police ? Liam, il suffit de le regarder pour qu'il devienne coupable. Je deviens tout rouge quand je parle avec la police. Il a essayé d'aider, c'est mal, ça ? Il faudrait qu'il soit puni pour ça. Je me sens toujours coupable face à ces connards. Pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mon frère, à cause d'un gamin qu'on connaît même pas. Alors c'est à ça que ça se résume aujourd'hui, le monde ? Qui on connaît et qui on connaît pas ? Oui. Oui, c'est ça, Dany. Aujourd'hui. Maintenant. Aujourd'hui, c'est exactement à ça que se résume le monde. Qui on connaît et qui on ne connaît pas. Désolée. Ce que je voudrais que tu fasses. Ce que je voudrais que tu fasses, Dany. 2. Plus tard, Liam, Hélène et Dany à table. Liam mange le saumon et le riz avec appétit. Il le regarde, il mange, il se régale comme s'il n'était pas là. Silence. Seulement le bruit de Liam qui mange. Il en termine. Repousse son assiette. Qu'est-ce que tu faisais chez Yann ? Non, c'est un pote. C'est pas un pote, Liam. Non, c'est vrai. Il a une mauvaise influence. C'était délicieux, Dany, c'était... Il collectionne des objets nazis. Il ne les collectionne pas. Il en a quelques-uns, c'est tout. Il les trouve sur Internet. Tu devrais pas aller chez lui. Ouais, il en a plein, enfin...
Vraiment, il est pas net, genre des lettres, des vestes, des boîtes de Zyklon B, c'est pas net, vraiment pas net. Fou, quoi. Il est vraiment un peu tordu. Dany, même s'il y a des trucs incroyables... Tu devrais rester à l'écart. Je lui ai dit, t'es vraiment tordu et il s'est marré comme ça. Mais il a vraiment des trucs incroyables. Il a un lugger avec SS sur la crosse. Ça, c'est tordu. C'est ce que je te dis, c'est tordu. Mais c'est incroyable aussi. Et maintenant, il s'intéresse à des trucs plus modernes. Il a récupéré une machette. Il pense qu'elle vient du Rwanda. Et il s'intéresse à tout ce qui vient d'Irak ou d'Afghanistan. Il pense qu'il pourra avoir une main coupée de la République démocratique du Congo. Il télécharge toutes ses vidéos. Violentes, quoi. Des gangs et des fusillades, des bastons, des décapitations, djihadistes et tout ça. Il adore tous les sites comme ça. Tu les as regardés ? Non. Il y en a qui sont vraiment terribles. Tu devrais pas aller le voir. Je l'aime pas spécialement, mais c'est un pote, tu vois. On était à l'école ensemble, alors... Pourquoi tu te lèves ? Pour rien. Tu veux pas t'asseoir ? Ok. On peut pas laisser tomber les gens comme ça. Délicieux ton riz d'Annie. Simple. Les ingrédients, simples. C'est ce qui me plaît quand tu fais la cuisine. Du citron, du poivre et de la bonne huile d'olive. Comment tu veux rater ça ? Simple, c'est tout. Italien. C'est genre italien, en fait. Tu vois, j'y penserais pas à ça. J'aime bien faire la cuisine, mais ça reste vulgaire. Je vais mettre plein de trucs, des épices, des herbes, des sauces, des tonnes, putain. Je prépare ça comme si je faisais du ciment. Et je vois bien que je fais ça, mais je peux pas m'en empêcher. Le seul truc que je fais vraiment bien, c'est le chili. Vulgaire, quoi. Dany, là, c'était super, quoi. Putain. J'y crois pas qu'on est en train de faire ça. Non, eh ben on le fait. On a pris une décision, alors... Je sais qu'on a pris une décision, je dis, c'est tout. Il y a une vapeur en fête dans le parc, t'as vu, Dany ? Non. Ouais, non, pas en ce moment, la semaine prochaine, le week-end, ça passe quoi, il y a des affiches là-bas, tu vois ? Vapeur en fête, la semaine prochaine. Ah oui ? Ouais. Ouais, c'est bien qu'ils fassent des trucs comme ça. Ils organisent plein de trucs comme ça dans le parc, c'est bien ? C'est quoi vapeur en fête ? Je sais pas trop, à vrai dire. C'est une fête foraine ? Non, c'est pas une fête foraine. C'est pas pour faire des tours ? Non, je crois pas. Je veux dire, dans ce cas-là, ça irait pas vite, vu que c'est tout à vapeur. Pourquoi tu t'assieds pas ? Ouais, c'est des trucs à vapeur, quoi. Genre des gros engins, genre des tracteurs ou des énormes moteurs. À vapeur, putain, quoi, ou des trucs dans le genre. D'accord. Peut-être des manèges, quoi. Mais comme c'est tout à vapeur, tu vois, donc ça doit pas aller bien vite. Pourquoi tu t'assieds pas, Liam ? Des tasses, tu sais. Des tasses ? Ouais. Non, je veux dire, comme quand t'es assis dans les tasses, quoi. Quelles tasses ? C'est pour les gosses, tu sais, ces trucs, ces manèges. Non, je vois pas. Pour les gosses, là, où ils sont dans les tasses, un manège, tu sais, ces trucs. Non, je connais pas des manèges à vapeur avec des tasses pour les gosses. Eh bien, je pense que peut-être ce sera comme ça. Je sais pas. J'essaie d'imaginer. Je pensais peut-être y emmener Chêne. Ah. Ouais, non, il adorerait ça. Je pensais l'amener le week-end. Ouais, Liam, il adorerait ça. Super. De quoi est-ce que tu parles ? D'emmener Chêne. Dans le parc ? Ouais. C'est dans le parc ? Ouais, mais c'est... Tu te dis que tu vas emmener un enfant de 5 ans à une fête dans ce parc ? Ouais, mais c'est pendant la journée, Hélène. Une fête ? Des gosses qui traînent et qui se poignardent entre eux. C'est vapeur en fête, Hélène. Tu sais même pas ce que c'est, vapeur en fête. T'es encore pire que lui. C'est pendant la journée. Ça ira, c'est un truc familial. Il ira pas dans ce parc. C'est pendant la journée. Vous êtes dingues tous les deux ? Lui, il vient d'arriver là, couvert de sang. C'est pendant la journée. Pas question. Il va adorer ça, Hels. Il y aura des engins à vapeur et tout. C'est un truc familial. Il y aura des gens en famille. Tu veux du café ? Non. Tu veux du café ? Non. Pourquoi est-ce que tu te lèves ? Je sais pas. Je me sens juste un peu... Il fait chaud ici, non ? Je vais rester debout, je pense. Attends. Je vais rester debout, je pense. Désolée. J'ai eu une réaction, mais... Bon, je voulais pas réagir comme ça, mais... Quelle heure est-il ? Mon portable est mort. 9h05. Tu penses qu'il est OK ? 9h quoi ? 5. On est tendu là, non ? Putain. Peut-être qu'on devrait sortir pour le chercher. Quoi ? Maintenant ? Ouais, vérifier que... Je veux dire, d'accord, on a pris une décision et on ne va pas appeler et j'accepte, ça me va. Mais il est toujours là, dehors, blessé peut-être, je ne sais pas. Mais... Donc peut-être qu'on devrait vérifier. Là, dehors ? Ouais. On pourrait ? Ouais.
J'imagine qu'on pourrait, mais enfin, la nuit vient de tomber, il fait noir... C'est un être humain, quoi qu'il ait fait, c'est un être humain, et je suis d'accord. Faut qu'on s'occupe de Liam et de nous, mais on a quand même un peu de responsabilité. Ouais, c'est vrai. T'as raison, mais... Envers, je veux dire, c'est pas justement tout ce qu'on déteste. Ah, absolument, oui, mais... Tous les va te faire foutre, ou c'est pas nos oignons... Oui, tout oui, ça. C'est sûr, tout à fait, on déteste ça, t'as raison. Mais il fait noir quand même. Ouais, mais c'est important. Tout seul. Quoi ? Non, eh bien, je me disais, moi et Liam. Liam ne peut pas y aller. Je sors pas là dehors, Dany. Faut qu'il reste à l'écart de ça. J'ai trop les boules, Dany, je peux pas sortir là dehors. D'accord, d'accord, ça va. Tu veux y aller tout seul, à cette heure-ci ? Eh ben... Il fait nuit. Ça, j'admire. Après ce qui t'est arrivé... Oh, des gosses. Des gosses, des petits cons. Et j'étais à moitié saoul, alors. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Allez voir. Ouais, ouais, peut-être. Il est parti de quel côté, Liam ? De l'autre côté des magasins. Bon, vers les... Vers les immeubles, ouais. Ouais, bon. 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 Je pense que tu devrais rester ici avec nous. Tu as probablement raison. Tendu. Shane, il est tout content ? Un petit frère ? Sûr qu'il est tout content. Ou une sœur, ça se peut ? Non, une sœur, une petite sœur, ce serait adorable. Je suis sûr qu'il adorerait une petite... Ne dis rien à Shane, Liam. Quoi ? Non, non, si vous voulez pas que... Je suis sérieuse. Ne va pas dire quoi que ce soit à Shane. Non, 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 je le ferai pas. Ne dis pas un mot, putain. Je le ferai pas, Else. Je ferai rien. Et pourquoi ? Parce que... Quoi ? Quoi ? Else, quoi ? Écoute, nous ne sommes pas sûrs à 100%. De... Quoi ? C'est juste que... Tu rigoles ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense pas que ce soit le bon moment pour discuter de ça. Ouais, sûr, désolé, non. Mais fais pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Désolé, putain, désolé, désolé, Dany, désolé, Hels, c'est pas mes affaires. Pas mes affaires, putain, mais fais pas ça. Hels, je veux dire, merde, vous êtes tellement... Vous êtes de si bons parents et Shane est un petit gars tellement... Pas... Que ce soit le bon moment pour parler de ça. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, Dany. C'est pas du tout le bon moment pour parler de ça. Et c'est pas... Mais absolument pas. Mais je comprends pas pourquoi. Je croyais que vous en vouliez d'autres. Ouais. Au départ, c'est ça. Je veux dire, au départ. Je croyais que c'était ça, l'idée. C'était ça, ouais. L'idée, au départ. Au départ, c'était... Au départ ? Écoute, rien n'est décidé, Liam. Nous n'avons même pas... Je veux dire, moi et Dany n'avons même pas vraiment, n'est-ce pas ? Véritablement, encore. Alors, mais nous nous disions que peut-être, vu la situation, la question se... Vu les circonstances... Tu vois, la vie ici et aussi laisser tomber mon travail, c'est forcément... Et en ce moment, peut-être que c'est pas la chose à... C'est possible. Je ne comprends pas. Écoute, nous pensons simplement que ce n'est peut-être pas le bon... Tu penses ? Quoi ? Tu penses, pas nous. Toi. Moi, je le veux. Je veux de notre enfant. Je comprends pas que t'en veux pas. Pourquoi est-ce que t'en veux pas ? Je... Non, mais j'arrête pas de toucher ton ventre. T'as pas remarqué que je touchais ton ventre ? Je touche ton ventre parce que je veux le toucher. La toucher, toucher ça. Je veux le toucher. Ou la toucher, je veux le toucher. Ou la toucher, je... Je veux qu'il y ait de l'amour qui passe à travers ma main. À travers ton estomac, à travers ton ventre, et jusqu'à notre enfant pour qu'il, ou elle, sache qu'on l'aime. J'ai pas dit que j'en voulais pas, j'ai dit... Il y a un... Tu rends pas les choses, Dany, c'est... J'ai dit qu'il y a un doute. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un doute ? Pourquoi est-ce que tu doutes ? Je doute pas, moi. Pourquoi est-ce que tu doutes ? Pourquoi est-ce que tu te mets à douter maintenant d'avoir cet enfant avec moi ? Tu veux que... Oui. Tu veux que je dise devant... Oui. Je sais pas. Quand je regarde ça, nos vies ici, je ne suis pas honnêtement à 100% que les choses marchent tout à fait ou fonctionnent ou de telle manière que aussi bien qu'on aurait pu... Être amené à penser que nos attentes s'accordaient... Quoi ?
suis... Tu vois, je pense que... Peut-être que c'est ce qui m'a fait réfléchir à... Nos attentes. Et tout compte fait, en considérant tout. Et est-ce que ça nous convient d'en rajouter un? Et c'est juste une question, je veux pas accuser, ou c'est moi, nous, tous les deux, Dani, mais la question est toujours là. Nos... Mais quelle question, putain? Écoute, d'accord, Dani, écoute. Je suis simplement pas certaine à 100% que notre vie est ce que nous... Ce que tu... Nous pensions qu'elle serait quand nous... Quand tu... Dani, ça n'est pas, vraiment pas. Écoute, je dis pas que nous... Que tu... Que nous sommes en train de dire... Que tu es en train de dire... Je dis pas que nous sommes en train de dire... Tu ne dis pas que tu es en train de dire... Qu'il faut interrompre. Non, pas du tout, parce que nous sommes... Tu es... T'es vraiment une merde. Parfois, t'es vraiment une merde. Parfois, vraiment une merde, putain. Parfois, je te regarde et putain, je... Un temps, elle s'assoit. Silence. Qui dure. T'as été sur la tombe? Celle de papa et maman ou celle de Jenny? Celle de Jenny. Ouais, j'y suis allée. Ça fait un moment. Non, non. Ça la dérange pas, elle sait que t'es occupée. Je suis allée la semaine dernière, alors... Et celle de papa-maman? Je comptais y aller... Je pensais y aller la semaine prochaine. Ah, c'est bien, elle souhaite. Ouais, peut-être mardi. Je pourrais venir avec toi, si tu veux. Ouais. Non, j'ai un... De bonne heure, mardi, alors. Ok. Peut-être plus tard. Ouais, sûr. Peut-être vendredi. Peut-être que j'irai vendredi. Ça te dirait vendredi? Ouais, super. Je dis toujours bonjour de toute façon quand j'y vais. Je dis bonjour de ta part. Hé, Hélène, passe le bonjour, je dis. Je leur donne de tes nouvelles. Merci. Ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers de toi, Hélène. De toi et de Dani et de tout ce que vous êtes, tu sais. Je suis désolée, Dani. C'était un peu... Tu sais, mais tu... Donc c'est un truc familial? Ce truc à vapeur? Ouais, je crois. J'ai demandé au gars là-bas. Il a dit que c'était pour des gosses. D'accord. Ouais. Il a dit que ce serait plein de gens en famille. Et aussi, forcément, il y aura quelques vieux barbus dégoûtants, mais bon. Quoi? Quoi? C'est censé être une blague? Quoi? Ah non, non, c'est pas... C'est censé être drôle. Non, 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 je veux pas dire... pas un pédophile. C'est pas drôle, Liam. Des passionnés, enfin, de vapeur. T'as dit des vieux barbus dégoûtants. Ouais, je voulais dire des passionnés, pas des pédophiles. Tu as dit ? Je voulais dire des passionnés de vapeur. Tu as dit ? Non, non, je suis désolé, Hélène. J'ai dit dégoûtant à cause des moteurs. Ah zut ! Qu'est-ce que j'ai été raconté ? Je suis désolé, Hélène. Je ne sais pas ce que je raconte. Je suis tout... Regarde-moi, je suis tout... Oh, c'est bon, Liam. Putain, il fait chaud ici ou quoi, là ? Il serait de retour à quelle heure ? Oh, c'est un truc du matin. Je la ramènerai pour une heure. Ok. Bon, peut-être. Je crois que je dois voir Sarah vendredi, mais peut-être qu'on pourrait aller voir papa et maman un jour de la semaine d'après. Et donc on va laisser arriver ce qui doit lui arriver parce qu'il n'est pas des nôtres. Non, je veux juste qu'on soit clair. Parce que si c'est ce qu'on va faire, il faut qu'on soit clair. On ne va rien faire du tout. Parce qu'on a pris une décision, non? On a étudié la situation, on l'a acceptée, on en a tiré les conclusions et décidé de ne rien faire. Parce qu'il n'est pas des nôtres. Dani. Donc, si on décide, sachant qu'il est blessé, c'est pas notre faute, c'est quelqu'un d'autre, mais quand même. Mais si on décide de ne rien faire, et s'il perd du sang, et si ça provoque des lésions dans son organisme, alors on décide d'accepter le fait qu'il peut y avoir des lésions, et est-ce que ce n'est pas pareil que de décider de provoquer ces lésions? Tu crois que ça peut provoquer des lésions? Je sais pas, Liam, mais saigner, ça revient à ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête, Dani. Vraiment, arrête. Tu crois qu'il est en danger, je veux dire... Je ne sais pas, Liam, mais disons qu'on sache qu'il va mourir. Arrête, Dani, putain! Non, je dis juste que si on savait ça et qu'on a pris la décision de le laisser mourir, quel genre de personne on serait, alors? Il va pas mourir. Mais tout ça parce que c'est un jeune gars, parce qu'il porte... Tu crois que ça prend combien de temps de... Quoi, de saigner? Il est allé à l'hôpital, Liam. Il est probablement à l'hôpital en ce moment même. De se vider de son sang. Ne dis pas de se vider de son sang. Mais s'il ne sait pas... S'il n'est pas allé... S'il n'y est pas allé, on ne le sait pas. Liam, enfin, c'était sérieux ces blessures? Il s'est relevé et il est parti en courant. Il y avait beaucoup de sang. Dani, s'il te plaît. Je dis juste. Je sais que tu dis juste, mais t'en rajoutes. Et Liam en rajoute. Et à vous deux, tout ça prend de telles proportions. Ok, d'accord, ok. Alors il ne va pas mourir, le gamin? Tu crois? Je ne sais pas, Liam, mais disons qu'il ne va pas mourir, ok? Disons ça. Mais si on se trompe, et si c'est le cas, si en fait il meurt... Mon Dieu!
Et oublie les tribunaux et les poursuites et les accusations, et même si personne ne découvre jamais qu'on ne fait rien, qu'on n'a rien fait délibérément, qu'on a fait le choix de ne rien faire et qu'il meurt, comment on va vivre avec ça? Parce qu'il avait l'air amoché. Parce qu'il avait l'air salement blessé, en fait, elle, je suis un peu inquiet, là. Il sera allé à l'hôpital, Liam, maintenant il est à... Et s'il n'a pas pu? Eh bien, s'il n'a pas pu, je ne sais pas, il y avait beaucoup de sang. Dani, s'il te plaît, arrête, c'est trop sérieux pour que... Quoi? C'est quoi le problème? Tu le sais. Tu sais quel est le problème. Quoi, ça ne correspond pas à nos attentes? T'es qu'un putain de lâche. Ah, et c'est reparti. C'est ta réponse. C'est ta seule réponse, putain. Ouais, c'est ma réponse de lâche. Et tu te demandes pourquoi? Si, tu te demandes pourquoi. Mais s'il ne l'avait pas fait, Hels. Qui ça? Le gamin, le Pakistanais. Quel Pakistanais? Quoi? Quel Pakistanais? T'as pas dit qu'il était Pakistanais? Ah bon? Non. Il était Pakistanais. Tu l'as pas dit? Je ne croyais pas... D'accord. ...que c'était important. Il était Pakistanais? Ouais, mais je ne croyais pas... Tu n'as pas dit qu'il était Pakistanais? Juste, je ne croyais pas que c'était... Tu sais... Ok. Parce que ça n'est vraiment pas... important. Parce que je ne suis pas vraiment... Tu sais, sa couleur, ses croyances... Je suis pas vraiment tous ces trucs, tu sais, ça me gêne. Je suis pas... Je suis pas... Désolé. Pourquoi? Pourquoi vous croyez que ça a de l'important? Je trouve pas que... Il était blessé, c'était quelqu'un de blessé, et c'était quelqu'un, un Pakistanais qui était blessé, Dani. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire, s'il ne s'est pas relevé? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il ne s'est pas relevé? Tu sais, avec tout ce sang, s'il ne s'était pas relevé, et s'il n'était pas parti en courant, tu crois que ça aurait pu s'en tirer? Quoi? S'il n'était pas parti en courant? Ouais, est-ce qu'il aurait pu s'en tirer, tu crois? Il est parti en courant, non? Ouais, mais je me demande s'il l'avait pas fait. Quoi? De partir en courant? Ouais. Il est parti en courant, non? Oui, mais... Alors qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire, ce qui serait arrivé s'il n'était pas parti en courant? Rien. Non, ça fait rien, c'est... Pourquoi? Je veux dire, tu sais, c'est une hypothèse. Pourquoi tu fais des hypothèses? Tu caches quelque chose? Non, je ne... Non, je ne cache pas. Non, Liam? Est-ce que tu caches quelque chose? Non, je ne... Non, je ne cache pas. Je peux pas croire que, putain, vous puissiez, pour lui, et vous ne... Putain, je suis ton frère, Hélène. Et toi, Dani, je croyais qu'on était... Enfin, vous savez même pas quel genre de type. D'accord, d'accord, il était... Ouais, il était pas clair. D'accord. Il était plutôt... Putain, pas clair, quoi. Et c'est pas raciste, mais il était impliqué dans toutes sortes de trucs. Il trempait dans... Et c'est pas pour médire. Tout ce que je dis, c'est que, bon, d'accord, je vais vous dire, tout ce que je veux dire, c'est que vous savez pas quel genre de type c'est, d'accord? Enfin, je sais pas non plus, c'est vrai, mais t'as dit, Hélène, t'as dit que probablement il était... Alors, c'est moi plutôt que lui que... Je comprends pas que tu prennes parti d'un type pas clair. Est-ce qu'il s'est relevé et est-ce qu'il est parti en courant, Liam? Oui. Alors dis-le-moi. Hélène, je te jure, sur la tombe de papa et maman, il s'est relevé et il est parti en courant. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce que tu caches, alors? Mais je ne cache rien... Qu'est-ce que tu nous dis pas, Liam? Je ne t'y mets pas, Dani. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est pas clair? C'est lui qui me l'a dit, d'accord? Content? Je voulais rien dire parce que je voulais rien dire de mal sur lui, mais il me l'a raconté, d'après ce qu'il a dit. En recollant les morceaux, les bouts, il m'a raconté qu'il était mêlé à des trucs, qu'il était mêlé à... Toutes sortes de... Et tu ne connais pas ce monde-là, Dani. T'es un mec sympa et je t'aime bien. Mais tu ne sais pas, pas vraiment, pas quand ça devient des trucs moches, enfin, les bastons, et l'argent et tout ça, et... C'est à ça qu'il était mêlé. Il t'a raconté ça? Oui. Il t'a spontanément donné ces informations? Il était blessé, alors, en état de... Et moi, je l'ai aidé. Et c'est sorti comme ça, il t'a raconté tout ça? Ouais, ouais, comme j'ai dit. J'ai recollé les morceaux, oui. D'après ce qu'il... Des délires et... Quand est-ce qu'il t'a raconté ça? Tu as dit qu'il était inconscient. Tu as dit qu'il était inconscient, Liam. Quoi? Tu as dit qu'il était inconscient. Ouais. Quand est-ce qu'il t'a parlé, alors? Quand il... Ok, attendez. Quand il s'est relevé et qu'il est parti. Non. Non? Non, pas à ce moment-là. Tu as dit, il s'est relevé, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il était plein de sang et il est parti en courant. Tu mentais? Non, bien sûr que non, vous m'embrouillez là. Quand est-ce qu'il t'a parlé alors? Avant. Avant quoi? Avant, quand je l'ai trouvé, il parlait, enfin... Mais tu as dit qu'il était inconscient. Ok, écoutez, arrêtez. Vous m'embrouillez là, alors arrêtez et... Bon, d'accord. Je l'ai trouvé là. Il était inconscient.
Il s'est réveillé et a commencé à parler, mais il s'est évanoui de nouveau. C'est là que j'ai eu du sang sur moi, parce que je l'ai pris dans mes bras. Je voulais pas qu'il se colle la tête, et je l'ai allongé par terre, et là, après une minute, là, il se lève et il part comme une flèche. Et c'est ce qui s'est passé. Et je ne peux pas expliquer pourquoi je n'ai pas dit que ça s'était pas passé comme ça. Voilà, d'accord ? Voilà. Est-ce que vous allez me croire ? C'est tout ce que vous avez à vous demander. Est-ce que vous allez me croire ? Liam. Non, non, pas de Liam. Parce que t'es ma sœur et que je te dis quelque chose. Tu es ma sœur et je te dis quelque chose. Alors Dani, alors Hélène, est-ce que vous allez me croire, oui ou non ? Oui ou non, est-ce que vous allez me croire ? Un téléphone se met à sonner. Une sonnerie un peu kitsch. Personne ne bouge. Ça sonne. Liam sort le téléphone de sa poche, il éteint. Il le remet dans sa poche. Silence. Il est arrivé sur moi comme ça. Comme ça, enfin. J'ai eu peur et il est arrivé sur moi comme ça et j'ai pas... J'ai frappé, quoi, c'est tout. Enfin, comme une impulsion, tu vois. Il devait croire qu'il y avait ses potes parce que c'est pas un type costaud, hein. Il va pas... Je veux dire, il va pas se jeter sur moi tout seul. Il devait croire qu'il était... Tu sais, c'est une petite rue. Il est arrivé sur moi, tu vois, avec des mauvaises intentions, vraiment, m'attaquer ou me voler ou juste me faire mal. Et en tout cas, j'ai eu peur parce que c'est une rue plutôt sombre. Il est arrivé sur moi comme ça, comme une locomotive à vapeur, putain. Dani, tu vois, je me suis retourné, j'ai frappé. Et je l'ai attrapé et il est tombé et... J'ai continué à le frapper, je pleurais, mais je le giflais, je lui donnais des coups de poing, et il est au sol, silencieux, il disait rien, quoi, et j'arrivais pas à savoir pourquoi, et je frappe, parce que j'ai la frousse, putain, et je pense que c'est là que j'ai dû commencer les entailles, tu vois, j'avais ce couteau, Yann m'avait montré ses petits couteaux là qu'il a pour lancer tout petit, des petits couteaux bien lourds, tu sais, épais, pour lancer, et la lame fait à peu près quoi, 5 cm. Mais il les garde toujours bien affûtés. On en a parlé, il m'a montré d'autres trucs et tout ça, et je ne savais pas, j'en avais gardé un jusqu'au moment où je vois le sang qui coule de ses entailles que j'ai fait avec ce gamin. J'étais tellement en colère. J'étais genre, mais pourquoi tu te jettes sur moi comme ça, ce petit con ? Et il répond pas, il dit pas un mot, et ça me met encore plus en colère, et j'arrête. Je m'arrête et il y a... Enfin, genre du sang, il a perdu connaissance. C'est pour ça qu'il disait rien. Il avait perdu connaissance tout de suite. Enfin, et moi, je continuais de... Tu vois... Je l'ai serré dans mes bras. Else. Dani. Else. Liam, tout seul, anxieux, assis, regard dans le vide. Il renifle le t-shirt. Hélène entre, pose. Il se regarde longuement. Tu te souviens de Brian ? Else ? Brian Hargreaves. Tu te souviens de lui ? Tu te souviens à Shackleton ? C'est là qu'on... Avant d'aller à... On détestait cette école, hein. On était toujours, tu sais, à l'écart. Et en primaire, quand ils ont pas voulu qu'on soit dans la même classe, ils voulaient pas... Pas dans la même classe. Je me rappelle de Hilson, ce connard de Hilson. Elle a 2 ans de plus que toi, Liam. Il faut qu'Hélène aille avec les autres enfants. Et bah, va te faire foutre, espèce de connard barbu. Nos parents viennent de mourir carbonisés, alors... Brian était cool, non ? Tu te souviens, Else ? Tu te souviens quand il a bouffé ce bout de bois ? Tu te souviens de ça ? Un bout de bois, putain. Else, il a bouffé un bout de bois. Un gros, putain, ramassé par terre, je veux dire. Qui est-ce qui boufferait, hein ? C'est le seul qui m'a jamais adressé la parole. Un petit manouche tout sale qui bouffait le bout de bois. Je me souviens. Ouais. Je disais à Dani, j'ai pleuré quand il s'est fait casser la gueule. La violence. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Quand tu lui as cassé la gueule, tu veux dire ? Ça veut dire quoi quand il s'est fait casser la gueule ? C'est toi qui lui as cassé la gueule ?
Quand tu lui as cassé la gueule, Liam. Quand tu lui as cassé la gueule, ça veut dire quoi? Tu l'as réduit en miettes. Tu l'as frappé à coups de briques. Tu lui as cassé les doigts en les retournant d'un coup sec. On a dû quitter l'école. Je détestais pas cette école. J'adorais cette école. C'était la meilleure école où on est allé. On n'est jamais retourné dans une école comme ça après et on a dû partir. J'adorais cette école. Dani, ça va? Oui. Ouais. Ça va. Il doit être un peu secoué. Non, il va bien. Je me sens un peu bizarre avec ce t-shirt là. J'ai merdé, non? Oui. T'as jamais espéré qu'il nous sépare? Non, hein? Alors? Comment tu peux dire ça? T'aurais eu une famille bien s'il nous avait séparés. J'ai une famille bien. On est une famille bien. Mais il y a quelque chose qui va pas chez moi. T'as pas fait exprès? J'ai peur, Hélène. Je suis quoi? T'as réagi de manière excessive, simplement. Tu veux t'en débarrasser à cause de moi, Hels? Quoi? Je suis en train de te détruire? Je suis en train de vous détruire, toi et Dani? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis du poison. Liam. Je suis un cancer, une saleté de cancer. T'es pas une saleté de cancer. Est-ce que tu vas appeler la police? Non, bon Dieu, Liam, bien sûr que je vais pas... Et Dani? Je préférerais avaler de l'eau de Javel plutôt que d'aller en prison. Tu ne vas pas aller... Dis-le-lui. Dis-lui que j'avalerai de l'eau de Javel plutôt que d'être enfermé. Essaye pas de me manipuler. Je t'aime tellement. J'aime Shane, j'aime Dani, mais toi, vraiment, je t'aime. Vraiment. Vraiment, je t'aime. J'ai les boules, putain. Je me remets à trembler. Assieds-toi. Ok. Alors? Ouais, ça va. Elle va le garder encore 2 heures. Est-ce qu'il dort? Il est 9h30. Il devrait rester là-bas. Elle veut pas qu'il reste. Elle a un truc à faire demain matin. Mais il dort. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai juste dit qu'on avait besoin de quelques heures. Ça fait comme si on avait un problème. Mais t'as raison, j'aurais mieux fait de lui dire que ton frère s'était pointé couvert de sang suite à un incident et un couteau. Tu sais comment elle est. Elle pose pas de questions. Et maintenant, il va falloir qu'elle le réveille. Désolée. Merci pour ça, Dani. Merci d'avoir fait ça. Comment va ta maman, Dani? Ouais, elle va bien. Elle est super. Elle a un super sens de l'humour. Ah oui? Ouais, je trouve. D'accord. Je disais à Liam que nous allions arranger tout ça. Bien, comment? Désolé, Dani. Comment est-ce qu'on va arranger ça? Liam voudrait te demander quelque chose. Ah ouais? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il veut me demander? Voilà. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je veux dire, t'es un mec sympa... Vraiment bien, hein. Tu mérites pas ça, t'es pas ce genre de mec et je te respecte vraiment et tout ça. Demande à Hélène, je parle de toi à mes potes, je leur raconte ce que tu fais, ton travail et... Je me demandais ce que tu pensais faire. Faire? Ouais, maintenant, là. Ce que je pensais faire? Ouais, ce que tu vas faire, est-ce que tu vas appeler la police? Je vais pas appeler la police, Liam. Je vous aime tous les deux. Tu vois? Tous les deux, je vous aime tellement. Tu vois, je te l'avais dit. Bien sûr que je vais pas appeler la police. Je te le disais, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Dani n'est pas... Il va pas, Dani n'est pas... ne va pas. Un temps. Puis elle prend Dani dans ses bras. Elle s'accroche à lui éperdument. Dani la serre aussi dans ses bras. Il y a de l'amour entre eux. Ça dure. Liam ne sait pas quoi faire. Il va pour parler, ne le fait pas. Il attend. Il attend. Hélène qui serre toujours Dani. Ça s'arrête. Elle fait comme si elle n'avait pas pleuré. Super. Merci, Dani. C'est... Non, enfin, c'est bien. Merci, vraiment. C'est rien, Liam. Bien. Super. Non, c'est bien, c'est... Vraiment, merci, ça me donne envie de pleurer. Ne pleure pas. Non, je vais pas pleurer, mais ça me donne envie de pleurer, ça me fait ça. Super, bien. Non, c'est bien, c'est... Bien. Bien. Maintenant, il faut juste qu'on s'occupe de ce qu'on va raconter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il faut qu'on arrange notre histoire. Si la police vient ici et nous demande, il faut qu'on dise que Liam était ici, avec nous. Il faut qu'on dise que Liam était ici avec nous? Oui. À la police? Oui, bien sûr, c'est de ça qu'on parle, non? Non. 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 Dani? Alors de quoi on parle? On parle de ne pas appeler la police. Mais s'ils nous demandent... Mais ils vont demander? Non, ils vont pas demander, ils demanderont jamais. Aucune chance qu'ils demandent jamais. Mais s'ils demandent... Alors il faudra qu'on dise que Liam était ici, toute la nuit. Dani. Écoute. Attends. Quoi? Mentir, tu veux dire? Oui. À la police? Oui, à la police, bien sûr, à la police. À qui d'autre, Dani? Quoi? Est-ce que ça ne fait pas de nous...
Des complices ou... Oui, oui, c'est ça. Merde. Danny. Mais tout ça va trop vite. Il faut faire vite. Mais pourquoi tu restes tellement calme? Je suis pas calme. Mais est-ce qu'on peut pas ralentir, s'il te plaît? On peut pas ralentir un peu les choses et... Non, on peut pas ralentir les choses. Mais réfléchir, parce que... On ne peut pas réfléchir, il faut agir. Enfin, est-ce que ce n'est pas ce que tu dis là, comme prêter aide ou... Mais qu'est-ce que tu crois? Assistance ou pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc pas appeler la police? Qu'est-ce qui n'est pas ça? D'appeler la police? Non, c'est pas pareil que de... Si, c'est pareil que... Non, 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 je crois pas que ce soit... Si, Danny, putain! Danny, réveille-toi, on joue pas là. C'est de notre famille qu'il s'agit. Si, c'est exactement pareil, te vois pas la face. Non, écoute, c'est... Mais c'est vraiment grave, là. Je vais dire merde, quoi, au tribunal. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Ça n'ira pas jusque-là. Mais enfin, sous serment. Ça n'ira pas jusque-là, mais oui. C'est bien de ça, c'est exactement de ça qu'on parle. J'y crois pas, c'est grave, c'est vraiment grave. Oui, c'est grave, c'est vraiment, vraiment grave. Alors à toi de décider combien tu tiens à ta famille. Non, 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 désolé, écoute. Oh putain de merde, écoute, non, je suis désolé, Liam, enfin merde. Il y a déjà, mais ça, mais tu veux dire inventé de toutes pièces et peut-être au tribunal et... oh merde, désolé, non, enfin, on a... Attends, c'est notre vie. On a un enfant, on a du boulot, on a une maison, on a un enfant. Non, désolé, non. Alors c'est non? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler la police. Je vais leur raconter ce qui s'est passé. Hells. Bon, ne dramatise pas tout. Je dramatise pas. Non mais parce que, écoute, ne commence pas. Je ne dramatise pas, je suis simplement en train d'appeler la police pour livrer mon unique frère entre les mains de la justice. Hells. Parce que soit on fait quelque chose, soit pas, Danny. On fait une chose ou on en fait une autre. On fait pas les choses à moitié. Parce que ça serait comme ne rien faire ou faire l'inverse. Ou pire. Il n'y a pas d'à moitié. Il y a une chose ou une autre. Il y a soit faire, soit ne pas faire. Il y a soit avoir une famille, soit ne pas avoir de famille. Il y a nous et eux. Protégés ou pas. Hells. Non, Liam. Parce que je ne veux pas de ça à planer au-dessus de nous, comme un putain de chaque minute, de chaque jour à attendre, en sachant qu'il y a dans ma famille, chez moi, chaque jour, chaque nuit, contempler ça le matin au petit déjeuner, le voir, le regarder là, qui mastique. T'es sérieuse? Oui. Comme ça, au moins, tu le racontes. Tu le racontes. Tu admets. Ça sera mieux pour toi. C'est l'un ou l'autre, Danny. C'est ça que tu as fait quand j'étais à Miami? Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Est-ce que tu vas nous aider? Est-ce que tu vas nous aider? Est-ce que tu vas... Oui! C'est ça, ce que j'ai fait quand j'étais à Miami. Parce qu'il était innocent. C'est mon frère et il était innocent. Tu ne sors plus à la nuit tombée. Tu changes de trottoir quand tu croises un groupe de jeunes. Tu ne montes plus à l'étage dans le bus et tu arrêtes de parler dès qu'il y a des jeunes près de toi. J'ai besoin de savoir si t'es un lâche. Je déteste par ici. Est-ce qu'on va rester habiter par ici pour toujours? Moi, j'ai pas peur de faire des choses pour ma famille. Liam serait prêt à mourir pour cette famille. Il serait prêt à mourir pour nous. Il mettrait sa vie en jeu pour Shane. Il donnerait volontiers jusqu'à son dernier souffle pour te sauver. Je n'ai pas peur de faire des choses pour ma famille, moi non plus. Est-ce que tu vas nous aider? Est-ce que tu vas nous aider? Est-ce que tu vas? Ouais. Alors dis oui. Oui. Alors dis oui. Oui, je vais vous aider. Et je ne suis pas un lâche, putain. Je vous aime tous les deux. Je vous aime tous les deux, je vous aime tellement. Je crois que c'était un des jeunes qui t'ont... Danny. Il n'y a plus de loi dehors. Hein. On est laissés à nous-mêmes. Bon, moi j'aime être ici. Venir ici, tu le sais ça. J'aime être dans cette maison, vous deux, Shane, entrer ici, c'est comme entrer dans du, je sais pas, parfum, ou de la chaleur, une chaleur. J'adore ça en fait. Mais ressortir là dehors, c'est comme de mettre le pied dans la merde. Comme de traverser un mur de merde, de rentrer dans un égout, putain, Danny. T'imagines entrer dans un égout, Danny? Bah, c'est exactement comme ça, des fois. Je lave même les semelles de mes chaussures, je les frotte avec une brosse à ongles. Je vais être franc avec vous parce que. C'est tellement beau comment vous êtes. Je l'ai suivi, je l'ai vu là, devant moi, je l'ai suivi, il marchait juste devant moi, et je me suis dit, espèce de putain de... Et il prend peur, et je me dis, alors tu trouves ça comment, espèce de putain, de faire du mal aux gens que j'aime? Alors que toi, tu me passes un t-shirt, tu vois, et qui sort du sale, mais quand même. Je lui crie dessus, tu vois, je l'ai frappé au visage, et je lui criais à la gueule, espèce de paquis, espèce d'arabe, de terroriste, espèce de putain de Ben Laden, coupeur de tête de mec... Enfoiré, même pas de ma couleur. Comment t'oses menacer ce que... Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis pas comme ça.
Je suis pas raciste, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je voulais juste lui faire peur. Je l'ai tiré jusqu'au garage de Yann. Je l'ai attaché, je lui ai fait mal, je l'ai laissé là. Il y est toujours. Il est attaché, il a peur, il y a beaucoup de sang. Brian Hargreaves, il commençait à raconter des conneries sur toi, Els. Il disait que t'allais me laisser. Il disait que tu leur avais demandé de nous séparer, que tu les avais suppliés. Il disait que tu lui avais tout raconté. Il disait que t'allais t'en aller. Il s'est mis à raconter toutes ces conneries sur toi, sur ma sœur. Il disait que t'allais partir dans une famille de bourgeois. Il disait que tout était arrangé et que t'allais me laisser. Il racontait des conneries sur toi. C'est pour ça que... Je t'aime. Je vous aime tous les deux. Tous. J'aime jusqu'à votre odeur, putain. Il pourrait te reconnaître ? Oui. Il sait qui tu... Oui. Il sait qui tu es ? Oui, je lui ai dit. D'accord. Je voulais qu'il croie qu'il allait mourir. D'accord. Je lui ai montré mon permis de conduire, je voulais qu'il pense... Donc il sait qui tu es ? Oui. Bien. D'accord. Hélène ? J'essaye de réfléchir, Liam. Ok. Ok ? Désolé. Non, c'est, j'ai juste besoin de... Ouais, sûr. Parce que c'est un peu... J'ai juste besoin de... Ouais. Il faut qu'on... On devrait lui parler. Bien. Expliquer. On devrait expliquer, avoir une... Lui parler. Une conversation. Mm-hmm. Parler, simplement. Il a peur. Ouais, mais si on lui parle... Il est salement amoché. Ah oui ? Ouais, je crois qu'il a besoin d'aller à l'hôpital. D'accord. C'était un peu stupide, Liam, de lui montrer ton... Ouais, je sais. Parce que c'est ouais. Un peu... Ouais, non, désolé, mais... ouais. Danny, tu as une idée ? Une idée ? Pardon. Une idée ? Ouais, tu as une idée. T'as entendu ce qu'il vient de dire ? Oui, c'est pas la peine de... Une conversation. Il faut qu'on soit... Une conversation. Pragmatique, alors ne commence pas. Une conversation, tu as bien dit une conversation. Tu as bien suggéré d'avoir une conversation avec un jeune Pakistanais ligoté dans un garage. Je sais que ça te choque un peu, mais... T'es malade, putain. Ça te surprend, je suis surprise et... Tu as attaqué ce gosse, putain. En colère, même. En colère. Tu lui as donné des coups de couteau, tu l'as ligoté, tu l'as torturé. D'accord, mais il faut garder ça. T'es en colère, Hélène ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as pu faire ça ? Comment il a pu faire ça ? D'accord, qu'est-ce que tu vas faire ? T'es en colère contre moi, Else ? Mais qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Oui, qu'est-ce que tu veux faire ? Là, vraiment, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire ? Quand t'auras fini de t'agiter, quand t'auras fini de paniquer, de crier, de hurler comme un enfant, comme une fillette, putain, Dani ! Quand t'auras fini de fantasmer et de penser qu'on peut rien faire, qu'est-ce que tu veux faire, là ? Ne me parle pas comme ça ! T'es d'accord qu'il faut faire quelque chose ? Faire quoi ? Eh ben, par exemple, on pourrait ne rien faire ? On pourrait le laisser là-bas, ligoter, et le laisser mourir de faim ? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ? C'est idiot. Ou quand Yann va rentrer chez lui ? Oui, c'est sûr, c'est idiot. Et le trouver et appeler la police ? Ou alors faire le genre de choses qu'il fait d'habitude quand il trouve des jeunes Pakistanais ligotés dans son garage ? C'est ça que tu veux faire ? Mais non, évidemment. Non. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Pour l'aider. Arrête de penser qu'à toi, Danny. Pour l'aider. Aider qui ? Aider ce gosse. Le gosse. Aider le gosse ligoté. Tu as entendu ce qu'il a dit ? Il devrait aller à l'hôpital, putain. Il est... Oui, exactement. Il doit aller, c'est ça ? Oui, c'est bien. Là, tu commences à réfléchir. C'est l'hôpital, exactement. T'as raison. Il doit aller à l'hôpital. Il faut qu'on l'emmène. Qu'on l'emmène ? Désolé pour tout ça, Danny. On peut pas appeler. C'est hors de... Ça veut dire une ambulance, la police, la prison. On peut pas appeler. De toute façon, il appellera la police. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on lui parle. À qui ? Au gosse ? Oui, au gosse. Il faut qu'on lui parle. Parler au gosse ? Oui, il faut qu'on parle au gosse. Et qu'est-ce qu'on va lui dire au gosse ? Il faut qu'on le convainque de ne rien dire. Il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui fasse peur. Il faut l'effrayer, pour son bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il faut qu'on s'assure qu'il ne va rien dire. Il faut qu'on lui fasse croire qu'on va le tuer, et s'il... Quoi ? S'il parle... Oui, le tuer, le torturer, tuer sa famille... Tout ce qu'il faudrait pour qu'il raconte qu'il s'est fait attaquer comme ça, sans raison. Et comment tu comptes faire ça ? Il faut que tu le menaces. Moi ? Bah, il va pas avoir peur de moi, si ? Moi ? Tu peux ? Non ? Enfin, tu te mets quelque chose sur le visage. Yann m'a passé une cagoule. Une cagoule. Tu peux mettre une cagoule et lui faire peur. Je vais pas mettre une... Mais comme ça, il te verra pas. Il pensera que Liam n'est pas juste... N'est pas isolé, pas une seule personne, pas tout seul. Danny, je ne considère pas... Pas une seule seconde que ce qu'il a fait... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis choquée et horrifiée et... Mais gardons ça pour plus tard. À part. Et là, maintenant, puisqu'il s'agit de mon frère et qu'il a fait cette chose terrible, stupide à quelqu'un qui...
C'est un des jeunes qui a attaqué Danny, Liam ? Oui. Certain ? Oui, oui, certain. Il me l'a dit, il l'a avoué, c'était un de ceux-là. T'es sûr ? Il ne mentait pas ? Il ne mentait pas. Il avait trop peur pour mentir. À quelqu'un qui t'a agressé ? Il l'a fait pour te protéger, d'une certaine façon. Même si c'était pas très judicieux, il essayait de te protéger. Et donc là, il faut que tu le protèges, lui. Parce qu'il t'aime, et que je t'aime. Et qu'il faut bien faire quelque chose. Il faut qu'on agisse au mieux dans l'intérêt de tout le monde. S'il te plaît. Je peux pas faire ça. Et s'il s'agissait de Shane ? Si c'était Shane qui était rentré à la maison couvert de sang ? Shane a 5 ans. Il n'aurait pas toujours 5 ans ? Ne parle pas de Shane qui rentre à la maison couvert de... Et si Shane avait 20 ans, ou 18, ou 16, ou 14, et qu'il rentrait à la maison couvert de sang, qu'est-ce que tu ferais ? Pourquoi tu demandes ça ? Et s'il s'agissait de Shane ? Ou d'un autre enfant ? Quoi ? Et s'il s'agissait de Shane ou d'un autre enfant ? Quel autre enfant ? Un autre enfant. On n'a pas d'autre enfant ? Non. On pourrait. On pourrait avoir un autre enfant si... Enfin, si on avait un autre enfant. Et si cet autre enfant... Et si on avait un autre enfant ? Oui. Et si cet autre enfant rentrait à la maison couvert de sang ? Oui. L'autre enfant ? Oui. Je croyais que tu voulais pas d'autres enfants. Et toi ? Moi si. Eh ben, on n'a rien décidé, encore. Tout est encore possible. C'est vrai ? Je te demande de l'aide. Je te demande de prendre une décision. Et si nous avions un autre enfant et que cet enfant rentrait à la maison couvert de sang ? Oui. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que... Ben, je... On est une famille ? Dis-moi. On est une famille, dis-moi. Soudain, Danny s'en va dans la chambre. Silence. Est-ce qu'il va nous aider ? Health ? Alors ? Alors, Health ? Ne me parle pas. Tu me fais vomir. Tu me fais vomir, putain, tu me fais... Espèce de... Comment t'as pu... Quel genre de personne ? Comment t'as pu ramener ici ? Mais... Ne parle pas. Quatre. Tard dans la nuit. Personne. Danny entre, il porte un manteau. Il regarde autour de lui dans la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Se calme. Va pour s'asseoir. Ne le fait pas. Il se dirige vers la cuisine quand Hélène rentre. Elle était au lit, mais ne dormait pas. Danny ? Il ouvre la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sort. Elle le regarde fixement. Il va pour parler de nouveau, mais au lieu de cela, il va dans la cuisine. Elle ne sait pas quoi faire. Elle attend. Après un moment, il revient avec un sandwich sur une assiette et une canette de bière. Il s'arrête, la regarde. Je n'ai pas mangé. Non. Je n'ai pas dîné. Ouais, non, tu devrais. Où est Liam ? Il va bien. Où est-il ? Il va bien, il est allé sur la tombe. Il est 1h20. Ouais. Toi, ça va ? Il ne peut pas répondre. Je n'ai pas dîné, alors je... Il regarde le sandwich, le prend, le repose. Tu peux me tenir la main ? Un temps, elle va pour le prendre dans ses bras. Non, s'il te plaît. Elle s'arrête, ne sait pas quoi faire, lui prend la main, pose. Il retire sa main et attrape sa bière avec. Il boit. Il ne reprend pas sa main, après avoir reposé la canette. Je suis allé du côté du parc. J'ai été regarder l'affiche. Vapeur, en fait. Il y a un dessin de...
Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air bien, en fait. Bien descendre un gros engin à vapeur et d'une famille blonde. Un peu tarte, mais peut-être que c'est l'idée. Tu sais, comme des affiches pour les cirques. Les vieilles, des familles et des enfants, des gens qui rient. Je peux pas dire si l'affiche est merdique ou si c'est justement supposé être comme ça. Tu vois, je suis resté là à regarder et à me dire... Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est censé être? Je suis resté là sous la pluie presque une heure. Je pouvais pas bouger. Elle va pour lui prendre la main. Ne me touche pas. Elle s'arrête. Il prend le sandwich. Il ne peut pas manger. Il le repose. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai fait peur. Tu veux me raconter? Non. Liam l'avait allongé sur un établi. Dans un garage pourri. Il l'avait attaché comme ça. Enfin, il n'était pas assez long. L'établi. Alors, les jambes pendaient. Il avait les genoux pliés. Tu vois? Il n'avait pas... Pas de chaussures. Il l'avait attaché, enfin ligoté avec de la corde et ces espèces de trucs élastiques. Et il avait beaucoup de... sur le corps. Il y avait pas mal de coupures sur le corps, il y avait plein de... Il l'avait tailladé, plutôt beaucoup. Et le visage était enflé, enfin d'un côté on aurait dit un ballon et l'œil était fermé et l'autre le regard complètement fixe. Comme une vache, quoi. Juste, tu sais, il y avait beaucoup de sang, des éclaboussures et des taches. Sec, des fois, et tout noir. Enfin, on aurait dit un monstre, ou quelque chose. Des marais, une créature, ou quelque chose de pas humain. Et je me disais, mais pourquoi il porte pas de chaussures? Ah ouais, et il y avait des trous sur lui. Des trous dans sa chair. Là où Liam avait donné les coups de couteau. C'est vraiment un petit couteau, hein. Enfin, avec une lame courte et épaisse. Mais comme il est petit, ça s'enfonce pas trop. Ça coule juste la peau. Et il lui avait fait des trous dedans. Le ventre, les bras, les cuisses, plein, vraiment. Vraiment plein. Et il y avait un trou dans la joue. Et j'ai vu là où la lame avait cassé une dent. Tu vois la force d'une... Une molaire, je crois. Pas une incisive. Donc ça avait dû être plutôt... La force du coup avait dû être... Enfin, le métal sur la dent, cassé. Et je me suis dit, ça doit faire mal. Il y avait une odeur bizarre. Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette odeur? Et d'accord, il y avait enfin des excréments, ouais. Parce que de peur, et je savais pas que ça arrivait en vrai. Puis l'odeur de renfermé, du garage. Tu sais, mais il y avait quelque chose d'autre et je pouvais pas... Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Quoi? Qu'est-ce que t'essayes de... Pourquoi je te raconte ça? Je lui ai crié dessus. J'étais debout là avec ma cagoule et je lui ai crié à la gueule. Dis-moi où tu habites, sale paqui! On fait moins le malin là, hein? On est moins fiers sans ses copains, putain! Sale paqui, saloperie de paqui! Dis-moi où tu habites, espèce de saloperie de paqui de merde! J'étais comme un vrai putain de... Parce qu'il voulait pas. Il avait peur qu'on fasse du mal à sa famille, alors il voulait pas nous dire. Il voulait pas, c'est tout. On a été chercher le pistolet, on a forcé la porte de chez Yann pour prendre le Luger, et on lui a pointé dessus. Je lui ai pointé dessus et je lui ai dit que j'allais lui tirer dans l'œil, mais comme ça marchait pas, je lui ai donné un coup de crosse dans la joue. J'ai fait ça, moi. C'est ça que j'étais devenu. Et alors? Il vous l'a dit? Quoi? Est-ce que... Tu sais... Oui, il nous l'a dit. On l'a fait nous expliquer à quoi ça ressemblait pour qu'on soit sûr que c'était bien l'endroit. Et puis Liam est allé vérifier. Liam est allé... Tu crois pas que j'allais le laisser seul avec Liam? Alors je suis resté assis là, à regarder ses pieds, à l'écouter pleurer. Pleurer, simplement, tu vois. Et à la fin, je me suis dit, je vais lui remettre ses chaussures. Au moins, je peux lui remettre ses chaussures. Parce que j'étais redevenu moi-même, j'étais plus, enfin... Et je me tenais, je ressentais... Et j'ai ramassé ses chaussures et j'ai pris un pied. C'était de l'essence, l'odeur.
Liam lui avait enlevé ses chaussures pour asperger ses pieds d'essence. Je crois qu'il avait essayé. Enfin, il y avait des allumettes partout pour terre et pas. Il y avait des allumettes partout par terre. Enfin, d'une petite boîte, quoi, mais vieille, alors. Alors il avait pas pu. Elle marchait pas. L'humidité, elle s'allumait pas. Alors c'est. Tu vois. Alors c'est. Tu vois, c'est bien. C'est un point positif au moins. Mais alors. Alors c'était bon. C'était bon. C'était bien l'endroit. Oui, c'était bien l'endroit. Bon. Et qu'est-ce que vous avez fait du... On l'a amené dans le bois, on l'a laissé là, et on a dit que s'il parlait à qui que ce soit, on mettrait le feu à sa maison. On fermerait bien les portes et les fenêtres avant pour que personne ne puisse s'échapper. Et il a cru tout ça. Alors c'est bon, Danny ? T'as entendu ce que je viens de dire ? T'as entendu ce que je viens de dire ? Oui, mais... Il l'a torturé, putain. Putain, je l'ai torturé. Eh ben, tu sais... Quoi ? Il a été un peu loin, mais... Quoi ? Ouais, il a été un peu... Tu as bien dit, il a été un peu loin. Parce qu'il... Il pensait... Ce type n'était pas... Danny, c'était pas un type bien. Attends. Il le regarde fixement. Non, désolé. Je sais que ça a l'air un peu... Et je voulais pas dire ça pour... Mais enfin, merde, ce type, d'accord, n'était pas... C'était quelqu'un qui... Et ça veut pas dire qu'on devrait lui faire du mal, bien sûr que non. Mais c'était quelqu'un qui faisait du mal aux autres. C'était pas un type bien. Quoi ? Ce n'était pas... Danny, il a fait du mal. C'était une des personnes qui t'a fait du mal. À toi. Qui ? Le gosse. Quel gosse ? Le gosse, je parle du... Quel gosse ? Y a pas de gosse. Quoi ? Y a pas de gosse. Mais si, le gosse. L'homme. Que vous venez de... C'était un homme. C'était un adulte. De... Quoi ? C'était un adulte. 30-35 ans. Je ne... C'était un homme, juste un homme, putain, un musulman quelconque, c'est tout, qui rentrait chez lui. Un homme avec une barbe, c'était pas un gosse, il avait rien à voir avec ça. Il a des enfants, il avait peur pour ses enfants, il avait au moins 35 ans. Quoi ? Je lui ai fait du mal, Hélène. Je portais une cagoule. C'était... Je m'étais toujours demandé si je serais bon pour ce genre de choses. Prendre du plaisir, ou je sais pas, tu vois, si... Et là, j'ai l'impression que je commence à pourrir. C'était un homme ? Oui. Pas un gosse ? Non. Non, pas un gosse, putain. Un homme comme ça ? Un homme comme ça, qui rentrait chez lui et... Un musulman ? Un musulman comme ça, qui rentrait chez lui et retrouvait sa femme et ses enfants. Ouais. Oh. Oui, oh. On entend la porte d'entrée claquer très fort. Un instant plus tard, Liam entre. Merde, désolé, Hels. Désolé, Danny, putain. Désolé, putain. Je relâche la... Et cette porte, j'oublie tout le temps et elle claque et... Un peu lourde, cette porte, putain. Non, un peu... Ça va, Danny ? Hels ? Ouais, bon, d'accord, c'est... Ouais, je suis désolé. Désolé pour... Eh bien, je m'excuse, c'est vraiment pas bien, je le sais. Écoutez, je voulais dire que je suis désolé. Désolé, Else. Désolé, Danny. Désolé, Else. Ok, bon, d'accord, je dis rien d'autre. Et je dois dire que je suis pas fier de vous avoir ramené, absolument. Je suis pas fier de... Vous savez, vous avez votre monde tout beau... Et c'est comme si j'avais ramené un chat mort ici et que je l'avais laissé sur le canapé, sur votre beau canapé de chez John Lewis, en disant « Regardez un chat mort, putain !» Mais bon, des chats morts, il y en a, Danny, il y en a des chats morts, Else. Vous êtes fâché contre moi, c'est ça ? Ok, je le mérite. D'accord. Je le mérite, c'est bon. Mais je vais me rattraper envers vous, Else. Je vais rattraper ça. Je vais me rattraper, Danny. Je vais réparer, voilà. C'est comme un contrat, putain. C'est une promesse, putain. C'était un homme ? Eh bien... Oui ou non ? Eh bien, ouais, mais... Oui ? Il avait l'air... Enfin, il faisait noir, là, et... Oui. Oui. Pourquoi ? Je... sais pas. Je sais pas, Else. J'ai juste... Je sais pas. Tu ne sais pas ? Non. Bon. Je ne veux pas de lui dans cette maison. Est-ce que je peux juste dire un truc ? Est-ce que je peux juste dire juste une chose ? Je te regarde, Danny. Je te regarde et j'aimerais...
pas être comme toi, pas être toi. Mais si, d'une certaine façon, j'aimerais vraiment être toi. Vraiment. Quelque part, putain, faire partie de toi. Mais je veux que ça soit moi. Je voudrais que tu sois moi. Et si toi et Else, vous n'étiez pas... Quand même, je te regarde et je me dis, ouais, il a eu toutes les chances, et alors? Il a une famille, et alors? Il sait où il va, et alors? Il a un bon boulot, et une femme merveilleuse, il s'entend avec ses amis, il est intelligent, et il a eu tous les avantages de la vie. C'est peut-être pour ça qu'il a tout ça, tandis qu'un autre être humain, un être humain différent, doit se manger de la merde pendant des années, et pour couronner le tout, devenir un être humain de merde avec ça, et alors? Il mérite tout ça, putain, tu mérites tout ça. Et je te souhaite bonne chance, parce que t'es tout ce qu'un homme du 21e siècle devrait être. Et je suis debout là, avec ton t-shirt, avec ton putain de t-shirt sale que t'as ressorti du panier à linge pour me le passer. Et je me dis que c'est un honneur de le porter, quoi. C'est un honneur pour moi d'être là, debout, dans ta sueur séchée. Et je regarde quelqu'un comme toi, et je peux pas m'empêcher de me dire que t'aurais jamais dû connaître ça, que ta belle ignorance devrait être préservée avant tout, que je devrais risquer ma vie pour te maintenir dans cet état. Mais une partie de moi, Dany, et c'est le côté que je déteste, c'est le côté mauvais, le côté sale, cette part de moi que je voudrais m'enlever d'un coup de couteau, cette part de moi, et je dis pas que je l'aime, hein, je la déteste, mais c'est celle qui pense qu'on devrait te faire tomber de ton putain de piédestal pour t'enfoncer le visage dans la boue, putain, pour que tu bouffes la même merde et la même pourriture que j'ai bouffée. Que ça te rentre dans la bouche et que ça te remonte dans le nez et que tu t'étouffes dedans. Je t'ai vu ce soir, Dany. Je t'ai vu. On nous a livrés à nous-mêmes. Il reste rien dehors. C'est comme si tout le monde avait été transmuté sur une autre planète et que nous, on nous avait laissés juste là. Juste, on nous a laissés là, avec des monstres. Sors d'ici. Ok, Else. Les monstres? C'est toi le monstre, sors d'ici. Tu es en colère, ok, d'accord. Mais ne dis pas des choses que tu vas regretter. Regretter? Ne pas dire des choses que je vais regretter? Tu es en colère, là, et je te comprends. Je ne... Pas une seconde, je nie le contraire. Hein. Mais tout ce que je dis, Else, c'est que on peut pousser à bout aussi. J'ai mes limites. Il y a des limites. Et tout ce que je dis, Dany, c'est que ça a été une longue et traumatisante. Alors vaut mieux pas... Je devais partir dans cette famille. Brian avait raison. Je lui avais raconté, parce que j'étais tellement excitée. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que tu... Il s'appelait John. Elle, Jackie. John et Jackie. Il vivait dans un bel endroit, je me souviens. Vert. Et je me souviens, la rue était... Non, je ne te... Jolie. Non, tu n'as pas assez... C'est... Ils avaient un fils, un peu plus âgé que moi, Adam. Il avait une cabane comme dans les arbres, dans le jardin. Mais pas dans un arbre, par terre. Il lui avait construite, par terre, parce qu'il avait le vertige. Mais c'était pour lui tout seul. Il n'y venait jamais. Il respectait son espace. Bon, ne dis pas... Ok, ok, je comprends, mais ne dis pas des choses, Else, qui font mal. Else, parce que ça nous mènera à... Où est-ce que ça va nous mener? Elle travaillait. Je sais plus ce qu'elle faisait, mais je me souviens parce que maman n'avait jamais travaillé. Elle restait juste assise là, à fumer. Il était médecin. Et je trouvais ça incroyable. Qu'un père puisse réellement être médecin. Et il avait un beau visage. Son visage était beau. Je ne me rappelle plus vraiment, mais beau. Et leur maison était propre. Pas comme la nôtre. Notre maison était dégoûtante. J'ai joué à un jeu avec eux. Un jeu de société. Je sais plus ce que c'était. Mais on s'est assis tous ensemble pour jouer et j'en croyais pas mes yeux. Tous ensemble, assis là à jouer à ce jeu, John et Jackie aussi. Adam n'arrêtait pas de me montrer des choses et de me raconter des choses. Des choses que je savais pas. Je savais pas. Et il voyait bien, mais il s'était jamais moqué de moi. Pas une seule fois. Pas une seule fois, il ne s'est moqué parce que je ne savais pas. Il m'a simplement raconté des choses, des tas de choses. Et il m'a montré son lapin. Il m'a laissé le prendre. Il était doux et chaud et je l'ai tenu longtemps. Longtemps, juste comme ça. Longtemps. Et je me suis mise à pleurer. J'avais un lapin dans les bras et je pleurais. Et il ne disait rien. Il m'a laissé, c'est tout.
Il m'a laissé le tenir et pleurer longtemps, longtemps, longtemps. Bon, ok. Non, tu n'as pas, tu es juste... Je m'en fiche, je ne suis pas... Putain de merde. Je veux dire, je ne suis pas... De toute façon, c'est pas vrai. Rien de ça n'est vrai. Je veux dire, rien de tout ça n'est... Quoi ? Tu me prends pour un idiot ? Tu me prends pour un idiot, Hels ? Je suis pas un idiot. Je suis pas un idiot, putain. Hels, je sais que tu... Je sais ce que tu fais. Je le sais. C'est idiot, ça, putain. Putain, putain, rien n'est... Il n'y a pas un mot de vrai et tu n'as pas... Parce que tu... Un temps. Soudain, il fait un pas dans sa direction, si rempli de fureur qu'il ne sait qu'en faire. Il voudrait la tuer, lui écraser la figure, la battre à mort. Il s'arrête, il contrôle ça, il fait un pas en arrière. Elle n'a pas bougé, il s'est calmé. Tu es en colère. Ouais, et je te comprends. Tu es... Et donc tu es... Un peu... Tu es un peu... Ok, je peux comprendre ça, d'accord. Je les aimais. Je le mérite, ça, d'accord, c'est normal que... Je les ai suppliés de me prendre avec eux. Mais après ton agression sur Brian, on nous a transférés. J'ai supplié et supplié et supplié. Je te pardonne. Je t'aime et je te pardonne. Je veux pas que tu me pardonnes. Eh bien quand même, je te pardonne. Je te pardonne tellement. La porte s'ouvre d'un coup. Shane se tient là. Les yeux embrumés. Un temps. Pendant un instant, personne ne sait quoi faire. Shane ! Shane entre dans la pièce comme un somnambule. Il va directement vers Liam. Ses bras autour de lui, tout contre lui, presque endormi. Liam est vraiment ému. Ah, regarde ! Je t'ai réveillé, Shane ? Oh, désolé, mon gars, c'était la porte, cette saloperie de porte, une fois de plus. Qu'est-ce que tu fais debout ? Ah, oh, c'est ma faute, Hels, je l'ai réveillée. Tu devrais être au lit. Ça va, Shane ? C'était bien chez mamie ? Shane acquiesce. Elle est super, hein ? Elle t'a donné une glace ? Shane acquiesce à nouveau. C'est vrai ? C'est une sacrée coquine, hein ? Écoute, mon gars, tu devrais aller au lit parce que t'es naze. Shane s'accroche encore plus fort à Liam. Non, écoute. Écoute-moi ça. Tu vas au lit, et samedi prochain... Si tu demandes bien gentiment à ta maman et à ton papa et si tu es bien sage, je t'emmènerai jusqu'au parc. Ça te dirait ? C'est vapeur en fait dans le parc. C'est tous des moteurs Shane, et des tracteurs. Viens ici. Je lui dis juste au sujet de... Il va pas y aller. Shane, viens ici maintenant. Shane s'exécute. Liam est sous le choc. Il est tard. Ouais. Ouais, je comprends. Je vais me... Dis-lui de laisser les clés. Écoute, Danny, je... Laisse la clé. Quoi ? Hels. Laisse la clé. Hels, s'il te plaît, ne me demande pas de laisser la clé. Laisse-la. La clé. Liam sort la clé de sa poche. Il la pose sur la table. Il ne sait pas trop quoi faire. Ouais, bon, je suis un peu fatigué, alors... Salut, Shane. Shane est trop fatigué pour répondre. La tête toute contre sa mère. Ouais. Liam sort... Shane lui fait un signe de la main, sans regarder. Mais Liam ne le voit pas. Puis, la porte d'entrée claque. Il s'assoit, tous ensemble, silence. Shane s'est endormi. Ça va ? Je pourrais préparer quelque chose à manger. Tu veux que je prépare quelque chose à manger ? Je peux pas manger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas. On continue. Comment ? Je sais pas. On trouve des choses à faire et on se met à les faire. Quelles choses ? Des choses. Des choses bien. Des choses bien ? Oui. On pourrait aider les gens. Tu crois ? Ouais, on pourrait aider des gens. Quels gens ? Des gens qui ont besoin d'aide. Bien. On pourrait faire ça. Ça nous ferait une raison de... Tu sais, nous consacrer à... Ou autre chose. Bien. J'ai réfléchi. Pendant que vous étiez sortis. J'étais ici et je pensais à plein de choses et puis je me suis mise à penser à toi et à moi.
Et je pense... Je pense que j'ai été un peu... dure. Dure ? Sur nous. Oui, dure. Je vois. Je pense que je nous ai jugés, nous, ensemble, de façon un peu dure. Je nous ai jugés sur des bases qui ne sont pas réalistes. Je sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il est temps de grandir un peu et de trouver des bases un peu plus réalistes et d'accepter. Une fois que je me suis dit ça, une fois que j'ai pensé au mot « accepter », j'ai commencé à me sentir bien. Ah oui ? Ouais. J'ai commencé à me sentir bien à propos de notre vie, et de notre famille, et de ce que nous sommes, et de qui nous sommes, et de ce qu'on a fait ensemble, compte tenu des circonstances, compte tenu des obstacles et des accros. Et je sais que ça va avoir l'air débile, tu vas croire que je suis... Mais j'ai commencé à me sentir au chaud, ici. Elle pose sa main sur son ventre. Où ça ? Ici. Et je suis assise ici à penser à ça. Tout ça me trotte dans la tête. Et soudain, je... Et ça va vraiment avoir l'air... Tu vas croire que j'ai perdu la... Mais je vais te le dire quand même parce que c'est ce qui s'est passé. Mais tu vas dire que je suis complètement... Mais avec ces sentiments et ces pensées... Allez, je me suis mise à rire. Ah bon ? Tu vois, je te l'avais dit, tu penses que je suis folle. Je pense pas que tu es folle. Non ? Non. T'es sûre ? Tu étais là toute seule ? Ouais. À rire ? Ouais. J'étais là toute seule à rire, je me suis mise à rire. Je me suis mise à rire, et c'est horrible à cause de ce soir et de ce que t'as dû... Mon Dieu, je sais, je me suis sentie tellement coupable. Parce que j'étais... Et puis je me suis dit, tu sais, c'est positif. Et les choses positives, je devrais pas me sentir coupable, je devrais pas. Et je pouvais pas m'en empêcher, je riais là parce que j'avais cette sensation, et je savais que cette sensation, c'était toi et moi. Nous. Toi et moi, ça me rendait tellement heureuse que je me suis mise à rire. Je veux cet enfant. Je veux avoir cet enfant. Avec toi. Tu le veux ? Oui. Je le veux. Vraiment ? Oui, vraiment. Tu veux cet enfant ? Avec moi ? Oui. Je le veux. Quand je bouge la main, ça fait bizarre. Quand j'écarte les doigts, ça fait... Mes doigts, quand j'écarte les doigts, ça fait bizarre. Ça fait... Tu sais, comme quand on vous a coupé un membre. Mais on peut le sentir encore. Le sentir encore là, mais il est pas là. Ils disent qu'on peut encore le sentir là, comme un membre fantôme, ça s'appelle. Je crois qu'ils appellent ça un membre fantôme. Mais je ressens ça sur tout mon corps. La main... Le bras, les jambes, les pieds, le cou, les lèvres, les yeux. Ça fait comme... Mais tout est encore là, tout est toujours. Il dort ? Danny. Il dort. Il s'approche d'eux, regarde Chen. Il dort. Il dort. Regarde-moi, Hélène. Je ne suis plus un lâche. Il se penche pour lui prendre Chen des bras. Il dort. Il dort. Il commence à l'emmener. Danny. Il s'arrête. Il est de dos. Et pour... Et pour le... Débarrasse-toi. Quoi ? Je n'en veux pas. Non. Je veux pas de cet enfant. Tu t'en débarrasses. Je ne veux pas de cet enfant. Débarrasse-toi de cet enfant. Je... Retire-moi ça. Retire-moi cet enfant, débarrasse-t'en. Je veux que tu t'en débarrasses. Je... ne veux pas m'en débarrasser. Il reste debout là, suspendu. Il ne dit rien. Elle attend. Danny. Mais il sort, elle reste là, seule.